s'appelle Rap. Vous appelez comment? Alexander. Alexander Saad. Erev Tov, Hisham Hashem, Nassé Venassé, Lachlagdil Torah, la Dira, on est dans la Beit Knesset Rabat du Rav Alexander Saadoun. Saadoun? Saadoun, deux ans. Saadoun, Bezrat Hashem, Zahim Tovim Shalom, Shnuske Lachlagdil Torah, la Dira, Beit Knesset, Erev Tov. C'est une horreur, c'est une horreur. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas ce mérite. C'est pas ça, c'est que après moi je reçois des mails, je me dis c'est un mytho le rab, il parle tout seul. Erev Tov. J'ai pas menti. Incroyable ce côté. Réponse depuis toutes ces années où je dis bonsoir, les gens me disent bonsoir. Top. Ce soir on étudiera. Reconstruire son cœur. Génie Diwan. Leïnou Nishmat, Kol Ben Israël de Khalalam, Kodim Khamishbat Ariyat Kouka, sans oublier Albert Abraham Ben Taïta, une grande Leda Kala pour Myriam Batraya, et demain une césarienne, qu'est-ce qu'il dit? D'un prématuré Bezrat Hashem pour un prématuré. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de prématuré, il n'y a pas de retard, il n'y a pas en avance qui compte. Ce qu'Hachem accompagne tout le monde. Chacun pourra dédier ce chiour pour ce qu'il a besoin. Alors on est dans une période, comme vous le savez, chers amis, compliquée, difficile, puisque la Torah nous ordonne d'être toujours sa mère. On n'a pas le droit d'être triste, puisque comme dit la chassidoute, la tristesse est le plateau de tous les péchés de ce monde. Comme on le sait, on en a parlé et reparlé, tout le inyan de la Torah, comme dit le Ben Ishraï, c'est d'être sa mère. C'est pour ça qu'on dit Chamisha Chumshe Torah. Maran Ben Ishraï dit Chamisha Zotchot Simcha Chumshe Torah. C'est pour cela que, comme le dit le roi David, Pikud Hashem Samchelev, les Pikudim, les mitzvot d'Hashem, l'accomplissement de l'étude de la Torah, donne de la joie à l'homme. Ve'alken, quelqu'un qui est endeuillé ne peut pas étudier la Torah, parce que la Torah donne de la joie. Et bizarrement, tout comme nous avons la mitzvah d'être Sameach, nous avons une période, un temps soit peu difficile, qui s'appelle Ben Hametzarim, où pour des raisons kabbalistiques, les deux mois qui sont les mois de Tammuz et le mois de Av, correspondant à l'œil droit et l'œil gauche de l'homme, parce que ce sont des mois qui appartiennent au niveau du physique à l'œil, il y a des mois qui appartiennent à la bouche, c'est les Slichot, c'est le mois de Elul, le mois de Av et le mois de Tammuz correspondent à l'œil droit et à l'œil gauche, d'où la paracha de Bala qui tombe toujours avant la période du Yud Zayin Betamuz, pour dire que tant qu'il y aura de la nudité, du manque de pudeur dans le monde, et qu'il y a un rapport entre la tristesse et la pudeur, c'est que les gens ne le savent pas, mais la klipa qui s'appelle klipat noga de la nudité de la femme introduit automatiquement du plaisir au présent chez l'homme par son yetzerara, mais constitue une klipa de tristesse qui l'accompagnera pendant des décennies. Les gens ne le savent pas. Mater une femme, c'est la klipa par excellence de Tammuz. Et au mois de Av, où on arrive au mois de juillet, août, ce sont les deux mois en général où les femmes se dénudent, qu'est-ce que fait la klipa? Mit la béchette à la Adam. Donc quand on va être triste de toute façon, parce que les femmes, malheureusement, n'étant pas éduquées ou au courant de la gravité de la chose, eh bien nous aurons quelque chose d'incroyable en Sana Chassidut. Akadosh Baruch Hu a déplacé cette tristesse dans la mitzvah. Je répète, Akadosh Baruch Hu a déplacé cette tristesse, qui est la klipa de la nudité, dans la mitzvah de Ben Hametzarim. D'avoir Peleplaim. Ça veut dire que la Torah nous demande de nous souvenir du Beit HaMikdash. On va expliquer en long et en large de quoi est-ce qu'on parle ici. Pour que l'homme, Bezrat Hashem, puisse changer son cœur de pierre en cœur de chair. Il y a une Breslev qui est derrière, d'ailleurs, qui vend des livres. Il y a aussi mon livre pour ceux qui veulent frapper leur femme sans laisser de preuve, qui est en vente derrière le code du bonheur. Mon épouse ici, que Dieu la bénisse, toujours à m'accompagner. Amen Aminette. Velachen Breslev, Zemazé, Bassar Lev. L'étude de la Chassidoute, j'ai fait un cours sur le Rabbi dans deux Beit Knesset différentes. Il faut savoir que la Chassidoute a été justement non pas créée ni inventée, mais elle a été amenée comme remède pour que le cœur de pierre devienne un cœur de chair. Vezé à Perouch Adavar, que pendant cette période, le Créateur du monde, un petit peu comme le dit le Rambam dans Moré Nebuchim, c'est que vous voulez faire la Avodah Zarah, vous voulez vénérer et faire des korbanot pour la Avodah Zarah, alors faites-le pour moi, dit Hachem. C'est la date du Rambam. Le Rambam est cholek alav, aval. C'est juste pour comprendre un petit peu l'idée, c'est que cette période, et les gens ne le savent pas, je le répète à voix haute,
le fait de regarder la nudité des femmes dans la rue donne du plaisir momentané qu'on appelle Onega Ove Vematil à la Adam Eres. Là-bas, c'est les femmes. Là-bas, c'est les femmes. Je ne sais pas. Je comprends. Les femmes sont devenues des hommes dans notre génération. Velachem, Bissiata d'Ishmaïa, le créateur du monde, nous demande tout simplement de nous recueillir pendant cette période, dans une période de deuil. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, je reviens du kikar de Nathania. Là-bas, il y a de la musique satanique sur le kikar. Je n'ai pas l'habitude de critiquer le pays. Au contraire, je ne vois que le bien dans ce pays. Mais il y a des moments où il faut quand même voir quand il y a un cancer. Il ne faut pas dire non, je ne l'ai pas vu. Il y a vraiment une musique satanique sur le kikar. Et justement, comme on est en deuil, qu'on ne peut pas écouter ce genre de musique, la Torah va nous diriger vers une position, une direction qu'on a intérêt à prendre si on veut avoir plus de joie, plus de bonheur. Velachen, le but de notre Torah, c'est d'être sa mère. Imken, si le but c'est d'être sa mère, comment est-ce qu'on peut être en deuil? On n'écoute pas de musique, on n'achète pas de nouveaux vêtements, on ne fait pas chez Rianou. Pendant cette période, si ce n'est que pendant le Shabbat Kodesh, et plus on avancera dans Hagen, c'est-à-dire dans la période de Rosh Chodesh Av, jusqu'à Yud Be'av. Alors, Bichlal, on a coutume de ne pas manger de la viande, chacun son minag. Il y en a qui commenceront à partir de la dernière semaine avant Tchabéav, avant Minag Israël, Edout Amizrach. C'est justement à partir de Rosh Chodesh Av. Chacun a ses coutumes. Rosh Chodesh, on peut manger de la viande lui-même. Chacun son minag. Shabbat, on mangera de la viande, mais ce n'est pas un cours sur la halakhot. Avant le quoi qu'il advienne, c'est une période qui est ambiguë, puisque si la tristesse nous mène à toute la Averot, comment se fait-il qu'on nous demande de rentrer dans une aveloute d'une certaine façon pour un Khurban Bet Amikdash? Alors, j'ai peur d'être très long parce que ce que j'ai marqué ici sont des titres du sujet que j'ai peur de tarder pour expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la création du monde, chez Hachem, la douleur, l'épreuve, la tristesse, le deuil font partie d'une joie. Un peu dur à comprendre. Ça veut dire que la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle sont au même niveau. Prenons le cas de Tisha B'Av sur le domaine de la halakha. Selon la Massorette, la tradition juive, Mashiach sera fait quel jour? Sera Tisha B'Av. À partir de quand on se rassoit sur des bancs et qu'on commence à s'asseoir sur des chaises? Chatzot Hayom. Ça veut dire que le jour le plus noir de l'année, alors que les Chachamim auraient dû fixer Tisha B'Av, le Yud B'Av, c'est-à-dire le 10 du mois de Av. Mais ça a été mis le Tisha B'Av parce que ça a commencé. On va selon le début. Ça veut dire que les Chachamim nous disent que Tisha B'Av n'est que le début d'une situation qui mène à un bonheur. Parce que normalement, le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire que le jour le plus noir de l'année juive, tous les pogroms, c'est pas le fin de parler, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Girouche Parad, le Girouche d'Angleterre, le Girouche c'est... L'expulsion, tous les malheurs, la nuit de cristal, tout la totale. Si vous regardez tous les événements tragiques de notre peuple, tous les décrets ont eu lieu à Tisha B'Av. Tous. Même les guerres ont eu lieu à Tisha B'Av. Donc la reine, les décrets des guerres ont été déclarés tous à Tisha B'Av. Mais la reine, le jour même de la destruction massive de notre peuple par Titus ou Nabucodonosor juste avant, eh bien, c'est déjà le jour de Tzmichat à Yeshua, c'est-à-dire du renouvellement d'une Yeshua, d'une énorme, délivrance pour le peuple d'Israël. Kemochen omrim chazal. Alors, je vous le dis directement. Celui qui n'arrive pas à comprendre que tous les bonheurs et les malheurs que nous avons dans une année juive dépendent de Jérusalem, tout ce qui se passe au niveau de la politique, tout ce qui se passe au niveau de notre éducation, tout ce qui se passe au niveau de notre parnassa, du shlom bait, la totale, tout ce qui se passe, les mefarshim expliquent que tout ça est relié à Yerushalayim. C'est pour cela que dans nos bonheurs, comme nos malheurs, il y a un verset qui intervient toujours dans notre vie. Im eshkacher Yerushalayim. Tishkach yemini, titbak leshoni lichiki, im lo eskerichi, im lo alet Yerushalayim al rosh simchati. Bizarrement, le roi David nous dit que la vraie joie de ce monde, c'est Yerushalayim. Quoi que l'on fasse, où que l'on soit sur terre, et dans n'importe quel domaine on se trouve, de n'importe quelle tendance avec son propre rab, Yimishkachet Yerushalayim, c'est la globalité de la joie d'Israël. Sissou et Simchou, Shomrim Chazal, Be Yerushalayim. Quand est-ce que Behemet on aura la vraie Geoula?
quand Yerushalayim passera dans nos mains, quand on sera capable de danser devant les portes de Yerushalayim, comme l'a dit le prophète, le jour où vous verrez des vieux et des femmes et des enfants courir dans les rues de Jérusalem. Il n'y a pas marqué Haïfa, il n'y a pas marqué Ashdod, il n'y a pas marqué Nathania. Dans les rues de Jérusalem, vous pouvez déjà attendre le oro du Melech HaMashiach, tu peux être certain qu'il est là. Pourquoi ? Parce que tout dépend de Jérusalem. La contrepartie de cela, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que notre jeunesse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre jeunesse est dans une situation très difficile. C'est-à-dire, on a organisé des cours à Nathania pour les jeunes. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Je suis le rave, je dis ce que je veux. Donc c'était à Ashdod, pas à Nathania, je me suis bourré. Et vraiment, on voit, je peux vous dire que ça a été un très très grand succès. C'était salle pleine, avec les jeunes, où j'ai donné la parole aux jeunes. C'était vraiment un débat très important. Et il y a un malaise dans la génération, il y a un malaise chez les jeunes. Et les Parchanim nous expliquent comme ça. Si on n'arrive pas à pleurer Yerushalayim et le Bet Amikdash, alors qu'on pense à la perte de nos jeunes, car la mort de nos jeunes est reliée au Bet Amikdash. Car me dit Chazal qu'il y a un lien direct entre la jeunesse d'Israël et le Bet Amikdash. Tout le monde sait que quand on envoie son fils, par exemple, à la guerre, quand on envoie un fils à la guerre, comme le roi David qui a envoyé Dougma, les soldats à la guerre, il leur ordonnait de ce qu'on appelle faire le domaine de ce qu'on appelle Get Kritut, c'est-à-dire dans le cas où il serait pris en cheville pour ne pas que la femme reste Aguna, alors chacun avait le devoir de donner le Get à sa femme, comme si qu'il n'allait pas revenir. Pourquoi ? Parce que qui dit guerre dit malheureusement Arugim, dit malheureusement cheville, il y a des, comment dire, pris en otage. Ouais. Donc c'est évident. Et la reine, il dit ici, tout le monde sait qu'il est logique que quand on va à la guerre, Chas v'shalom, on puisse s'attendre au pire vis-à-vis de l'Oanim l'Olechem de nos enfants. Vechen Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, avait lui-même, pendant des jours et des années, prédit la perte du Beth Amikdash, en annonçant au peuple d'Israël, si vous continuez sur ce chemin-là, vous perdrez le temps, alors que le temple, alors que lui-même, Yirmiyahu, n'y croyait pas, puisque le Midrash nous raconte, Midrash Echa, que quand Yirmiyahu a vu une fumée sortir de Jérusalem, il a dit, Baruch HaShem, tout s'est arrangé, puisque c'est en train de faire des korbanot. Il n'avait pas compris qu'on était en train lui-même de brûler Yerushalayim. Mais la reine, il dit, lui-même n'y croyait pas, tout comme une mère pense toujours que les malheurs vont arriver chez les autres. La mort, chas v'shalom, du fils de l'autre, n'arrivera jamais chez nous-mêmes. Ainsi, quand les Kohanim, écoutez bien comme c'est beau ce que vous allez entendre maintenant. Il dit ici que, les Chachamim expliquent là dans ce livre, que les gens n'ont pas conscience que les personnes qui sont touchées par les difficultés comme un deuil national que nous passons tous en ce moment n'est pas une chose qui appartient à l'autre. On a du mal à imaginer que le malheur, chas v'shalom, puisse venir frapper à notre porte à nous. C'est-à-dire qu'on aurait plus tendance à entendre que le malheur a frappé chez l'autre, que le Beth Amikdash d'un temple étranger aurait frappé, mais on n'a pas pris conscience que c'était notre temple qui avait été touché. Et là, le Midrash, on raconte quelque chose qui viendra nous expliquer, nous faire comprendre la valeur de la tristesse sort le bonheur. Il dit ici que quand les Kohanim sont montés sur le toit du temple, ils ont jeté les clés dans le ciel, une main divine, c'est tout ce Midrash. Les Kohanim, avant de... Ils se sont suicidés, d'accord ? Ils ont sauté du toit, ne supportant pas la perte de Jérusalem. Ils ont pris les clés du temple et les ont jetées vers le ciel. Il y a une main qui a récupéré ces clés. Le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable. C'est qu'Hachem, il leur a dit, maintenant que vous me remettez les clés du temple, quelle porte je vais ouvrir avec ? Puisque mon temple est détruit. Et les Kohanim, dans leur grande tristesse, ont dit, de tous les malheurs ne sort que du bonheur. Leur a répondu Hachem, écoutez bien, maintenant que tout est détruit, je peux tout reconstruire. Maintenant que tout est détruit, maintenant que le déluge a eu lieu, je peux tout reconstruire. Qu'est-ce que nous dit le Midrash ? Akshivuna etev. Car quand j'ouvrirai le prochain temple, troisième temple, je ramènerai avec cela la mort de tous les enfants d'Israël, Triat Amitim. Chose qui est impossible à imaginer. C'est-à-dire qu'on a perdu un temple, on a eu des millions de morts, tout a été détruit, le répond Hachem dans le Midrash, vous n'avez rien compris. Maintenant que tout a été détruit, maintenant que tout est perdu, je peux tout renouveler, mais à la Terra, puisque les clés maintenant sont retournées chez moi. Pour cela, il fallait qu'elles retournent chez moi. Pour qu'elles retournent chez moi, il fallait que je détruise le temple, parce que c'était entre vos mains. Mais la Khanobrim Chazal, car quand j'ouvrirai le prochain temple, ce sera avec un bonheur absolu dans le monde. Az yemale sichok penul shonenu rena. Un bonheur comme jamais dans l'histoire on ne l'a connu. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Vous passerez tous de l'état de prophète d'Israël.
Il n'y aura plus besoin de rabbanim, plus besoin de chavrutot. Vous serez directement connecté à la shrina. Ve'omrim chazal b'triat amitim, ve'chupa mal roshchem, ve'shalom balev, ve'geula shlema. Et le 9 du mois de Av sera le jour le plus beau de l'année juive. Mais pour cela, il faudra passer par une situation délicate et difficile. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le mois de Av. Les filles et Koubalim, pourquoi on appelle ça le mois de Av? Le premier mois de l'année étant le mois de... Comme la voiture, Nissan, bonne réponse. Mais les Hatid Lavo, le premier mois de l'année sera le mois de Av. Av, Chodashim, le père des mois. Et non plus un mois standard dans l'année juive, mais il deviendra le père des mois car on a le devoir de récupérer ce mois, et essentiellement grâce au mérite des femmes. C'est pour ça que la Gemara nous dit « Besrut nashim tzadkaniot » c'est par le mérite des femmes qui aura la Géoula, par la pudeur des femmes. J'insiste énormément sur cela, car grâce à elles, Tamouz et Av, les yeux de l'homme, pourront se guérir et rapporter la Géoula, même si on sait que la Géoula sera essentiellement dépendante du Lashon Hara et de la Havat Rinam, qui est un sujet pour lui-même. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, à propos du cœur, c'est de mettre manière méhode de constater, de voir que les malheurs, comme le dit la Gemara dans Brachot, Keshem Shadam et Barech Alatova, car il Barech Alara. Ça veut dire que quand on t'annonce une bonne nouvelle, comment t'es? Ouh, Mazel Tov. Et quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, comment tu es? Ouh, Mazel Tov. Il y a un couple qui m'a annoncé qu'ils avaient divorcé, j'aurais dit Mazel Tov. Vous regardez comme ça. J'aurais dit Matarotzi. Matarotzi. Si tu n'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce. Mazal Tov, Manegilecha. T'as divorcé, c'est fait. Alors Mazal Tov. Qui gamze Mazal Tov. Gamze et un tikkun. Manasse. Alors pourquoi on a besoin de rentrer dans cette situation si difficile? Et comment se fait-il que nous, dans notre génération, nous soyons une génération, comme l'avait prescrit Baba Saleh à la Vachalom, la génération du Melech HaMashiach, comme ne cessait de crier Rabbi de Lubavitch, Mouvant Mashiach, nous, attendez-vous à le recevoir. Ayama Asse Bemalka Achat. On raconte l'histoire d'une reine qui, en plein été du mois de Av, a vu un paysan venir vers elle et lui donner un verre d'eau fraîche. Un bon verre d'eau fraîche, en plein été. Alors la reine, très surprise, a pris ce verre, a dit la bénédiction sur ce verre, a regardé ce jeune homme et lui a dit, puisque tu m'as donné à boire, et de plus ton eau est bien fraîche, je te nomme ministre. Et là, j'aurais donné une carafe d'eau. Bon. Un tonneau d'eau, un puits d'eau. Je l'aurais trempé dedans, tiens. Quoi qu'il advienne, voilà que quelques années plus tard, il y a une grande réunion de tous les ministres qui sont dans le palais de la reine. Elle est vêtue avec sa belle robe, une couronne de damasque, un diadème extraordinaire de diamants, de toutes sortes de pierres précieuses. Et puis voilà que tout le monde est là, sauf deux personnes. Et elle cesse de regarder constamment le siège de ce ministre paysan qu'elle a nommé ministre parce qu'il lui a offert un verre d'eau en plein été. Et voilà que quand cet homme arrive enfin, il s'excuse comme ça, il voit tellement de monde, il n'a pas l'habitude de l'aristocratie, les belles choses. Alors comme ça, il dit à la reine, excusez-moi madame, je vais m'asseoir où là? Et la reine se lève devant lui, donc tout le monde se lève, la reine se lève, alors tout le monde se lève. Et la reine l'applaudit, elle descend les marches et l'accompagne jusqu'à son siège en lui disant, siège ici, bien entendu, tous les journalistes, t'es qui, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton nom? Comme une fois. Les photos, CNN, TF1, Roger Jiquel, Roger Paquel, la totale. Coula, mais comme des fous. Coula. Véalken. C'est le ministre qui arrive en retard. À un moment, il y a un autre ministre qui arrive. Et lui, ce ministre-là, il est ministre depuis toujours. Et quand il arrive en retard, alors il frôle un peu les murs et regarde la reine. Mais lui, il a vu ce qui s'est passé pour l'autre ministre qui arrivait en retard, juste avant lui. Et donc, il regarde la reine, il fait « Excusez-moi ». Et la reine, il lance un regard terrible. Du style, tu viens de me faire un affront. Tu n'as pas honte d'arriver en retard. Alors le ministre est parti s'asseoir, mais il était extrêmement triste. Alors la reine, dans la même semaine, organisait un banquet avec une table ronde. Et elle a demandé à ses ministres s'il y avait quelque chose qui les avait dérangés dans leur vie.
s'ils avaient quelque chose à lui reprocher. Qu'elle enlèverait sa couronne de reine, prête à écouter toute personne qui aurait un reproche à lui faire, sans aucune retenue. Elle a pris sa couronne et elle l'a posée. Elle a dit, je vous écoute, est-ce qu'il y en a un qui pourrait me reprocher quelque chose? Et là, à ce moment-là, le deuxième ministre qui est arrivé en retard, et qui s'était fait gronder par le regard hostile de la reine, il dit, moi, je voudrais dire quelque chose. Alors il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, voilà, vous avez pris un paysan, donc il regarde le paysan, qui je regarde, Fadal. Et vous l'avez nommé ministre. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il sort. Il travaille dans une banque à Rothschild, et puis d'un coup, il est devenu président. On ne sait pas d'où il sort, celui-là. Ouais. Et quand il arrive en retard, non seulement vous ne le grondez pas, j'étais derrière les rideaux, je venais d'arriver derrière lui, et puis là, d'un coup, vous vous levez, vous l'accompagnez, « N'dour aliena kappara alecha neshama sheli »« Oula'ane, shkounini »« Nini » Où je suis moi? C'est une reine tunisienne, il n'y a pas. Alors que moi, Gvodamalka, si vous regardez juste au niveau de votre poitrine, vous avez une chaîne en or qui pèse plus de 500 grammes d'or pur, des diamants, des émeraudes, des rubis. Et je vous l'ai offert de tout mon cœur, parce que vous êtes ma reine. Je voudrais comprendre. Comment se fait-il que pour un verre d'eau, vous lui avez fait tellement d'honneur, et que moi qui vous ai offert quelque chose dont l'estimation dépasse tous les prix, vous m'avez grondé quand je suis rentré me disant de quel droit je me permets d'arriver en retard. Alors si je peux me permettre d'être hautain, je voudrais juste une réponse. La reine a repris la couronne, elle l'a remis sur sa tête, et lui a dit, je vais te répondre. Est-ce que tu te souviens de la rebelle qui a eu lieu dans mon palais? Le ministre baisse sa tête et lui dit, oui, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Vous avez dû fuir. Est-ce que j'avais ma couronne sur la tête? Vous n'avez pas eu le temps de la prendre. Est-ce que j'ai eu le temps de prendre mes habits de reine? Non, vous êtes enfui presque sans robe. Quand je suis arrivé dans la ville de tous mes royaumes et que j'ai crié que j'étais la reine, est-ce que tu m'as donné un verre d'eau? Le ministre baisse la tête, elle regarde tous les autres ministres et elle leur dit, est-ce que vous m'avez aidé? N'est-ce pas vous qui m'avez traité de folle? Partout où j'allais dans les rues, personne ne tenait compte de moi. Il y a un homme qui est venu et qui m'a dit, alors que j'étais défringué, que j'étais sale, que j'étais traîné dans la boue, vous devez certainement avoir soif, ma reine. Il m'a tendu un verre d'eau qui m'a donné goût à la vie. Enfin un qui croit en moi. Toi, tu m'as apporté... Elle lui prend son médaillon, elle lui pose sur la table. À quel moment tu me l'as apporté? Il lui a dit après la rébellion. Après la rébellion. Quand j'avais une belle couronne sur la tête, les habits d'une reine, alors t'es venu en me disant, pour m'excuser, je vous offre ce bijou d'une valeur inestimable. Tu comprendras bien que lui qui a été capable de rester fidèle à la reine dans la période la plus noire de ma vie, aura le droit à tous les honneurs. Face à quelqu'un qui a attendu que je sois une reine avec une couronne sur la tête pour m'apporter les plus beaux bijoux de ce monde. Qui est la reine? Chazal dit, c'est la Shrina. La Shrina, aujourd'hui, comme on peut le constater dans ce qu'on est en train de vivre, un monde rebellé, un monde où on n'a pas peur de Dieu, la Shrina, comme c'est marqué, Verachel Mevakal Baner, la Shrina, elle est sans robe de reine. Elle n'a pas de couronne sur la reine. Elle marche comme une veuve parmi les enfants d'Israël. Allez, lève-toi à la prière, allez, mets les tefilines, mange kasher. Et Amma, combien j'espère que vous me reconnaissez en tant que reine. Mais il y a des gens qui restent fidèles. Pendant cette période de deuil, pendant cette période si difficile, pourquoi est-ce que le malheur s'appelle le bonheur? Parce que nous avons l'occasion aujourd'hui d'apporter un verre d'eau. Pas grand-chose, un petit geste. Changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Dans une des périodes où la Shrina est en bas de l'échelle. Et tant que la Shrina est en bas de l'échelle, le moindre effort qui est fait par notre façon de vivre la Torah, le moindre effort qui est fait en l'honneur d'Hachem, donnera tous les honneurs quand la reine sera enfin sur son trône. Batimale Aretz de Hachem. Le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu. Et là, tout le monde va venir, viens, je te donne ça, viens, je te donne des diamants. Bien sûr, tu peux me donner. Maintenant que je suis
Ça y est, vous reconnaissez Picotbou? Ça y est, vous voyez que maintenant que je suis la Shrina, maintenant vous êtes content? Maintenant vous voyez que le Beth Amikdash est à sa place? Maintenant vous voyez que tout va bien? Tout le monde vient venir, Allahu Akbar, ça y est. Maintenant on reconnaît Hachem. Il dit non, ça c'est pas la meilleure période. Le Shulchan Aruch nous interdit de convertir des non-juifs pendant la période de gloire d'Israël. Je crois au forage. Pourquoi quand viendra le Melech HaMashiach, on ne reçoit plus de guérim? Pourquoi? Parce que c'est une période de gloire pour Israël. Alors c'est automatiquement une conversion qui a un intérêt. Je fais partie de ce peuple si merveilleux. Mais quand on est Israël, dans la galoute, dans le malheur, et que la Shrina Bekoshi, à l'intérieur, on fait des défilés d'homosexuels, où est Hachem? On fait du Lachon Aram. Il est où Hachem? On a envie de le dire. Hachem, dans le malheur où, dans lequel on vit aujourd'hui, on prie, on ne voit pas les résultats de nos prières spécialement, il est en train de te dire, c'est parce que je suis en bas que c'est le moment de ramasser de l'or. Profite de cette période, parce que c'est le moment pour toi de ramasser le maximum de quoi? D'honneur pour toi. Qui a de l'avant. Parce que je suis en bas de l'échelle et que toi tu vas me monter, toi tu vas m'apporter quelque chose de tes propres efforts, tu auras fait plus que de m'apporter de l'or, des diamants et toutes sortes de choses. Zot à Isdamnout. C'est maintenant. Pendant cette période chaude de l'année juive, Ben Ametzarim, que nous pourrons y arriver. Mais tout ça est relié à quoi? À Yerushalayim. À nos enfants. Dougma. Le verset nous dit comme ça dans la Torah, Bissata d'Ishmaël. Vesamarta bechagecha ve'aita ach samer. Mazor. Vous savez bien, ce verset-là a été dit explicitement pour les Shalosh Regalim. Dans le Mikout de la Torah, c'était dit exactement pour la fête de Sukkot. C'est-à-dire, dans le Mikout du verset, Aval, le Tachles, ça a été dit pourquoi? Pour les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot et Sukkot. Si on observe bien, ces trois fêtes-là sont les trois fêtes où on monte à Yerushalayim. D'accord? C'est le fête des Shalosh Regalim, Regalim la Sot, le Beth Amikdash, le Samarta Bechagecha. Si Behemet, nous étions capables d'être Sameach, je vous demande d'écouter profondément ce que je vous dis maintenant. Davka pendant les Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot, Vesamarta Bechagecha, alors la suite nous dit Vehaita, et donc sera quoi? Ach. Ach, ça veut dire quoi? Le Ben Ishraï dit douleur. Ach, comme ça m'explique le Ben Ishraï. Mais Ach en hébreu, ça s'écrit comment? Aleph, Chav. Combien dure Ben Ametzarim de jours? 21 jours. Ve'aïta, Ach, sa mère. De quoi dépend Ben Ametzarim? De Pessah, Shavuot et Sukkot. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à moi qui te donne une maison? Tu sais que j'ai pas de maison? Tu sais que Avinu chez Bashamaim en lo bait. Vous savez ce que c'est pour Hachem d'entendre Allahu Akbar, des ennemis qui crient sur le mont du temple comment tuer ses propres enfants? Vous imaginez un petit peu ce que c'est pour un père d'entendre des gens qui veulent tuer ses enfants dans sa propre maison, sur son propre territoire? Et pourquoi il fait ça Hachem? Chazal dit, c'est parce qu'il est obligé de descendre en bas de l'échelle. Pour que la moindre valeur, en l'honneur de Dieu, prenne des dimensions incommensurables pour la Géoula. Ce petit verre d'eau, vous savez, du paysan qui dit, moi ma reine, même si vous êtes sans habit, même si vous êtes comme une souillon en train de fuir parce qu'il y a une révolte dans le monde contre vous. Veillez à Hachem, masse, ou dit la Gemara dans ma secrète sota même tête. On en aura marre des religieux, dit la Gemara. Choutzpaïsge, kalakama bechamota, un monde de révolte. Hachem, il dit, t'as pas compris que tout ce que je fais, c'est pour toi. Comme t'arrives pas à monter, c'est moi qui vais descendre. C'est moi qui descends. C'est moi qui viens en bas. Pour que le moindre geste est une valeur incommensurable. Velachen, si Bezrat Hachem, nous on arrive à vivre les Shalosh Regalim Be'itlavut, c'est-à-dire avec enthousiasme, et qu'on monte au Beth Amikdash, qu'on va au Kotel, et qu'on désire Hachem, le verset nous dit Ve'aita, Ach, Sameach, Ach, les 21 jours deviendront Sameach. Je m'explique. Le 17 Tammuz deviendra Yom Tov, dit la Gemara. Le 9 Av deviendra Yom Tov, et les jours entre eux, Chol HaMoed. Karmouva. Ouais, les femmes dans la cuisine, elles malas. Vous allez morfler quand elles m'achèrent. Mais non, c'est vrai, c'est marqué Yardou Khamim, je t'ai raboulé Khaloumim. On aura des esclaves, hein. On aura des petits arabes. Vous aurez. Tourne la caméra, c'est elle qui l'a dit. Mais Zéperou Shadava, Veïta, ah, sa mère, Khazal, il dit, tu te rends pas compte. Mais tout ça, c'est bien de quoi? C'est Shlosha Mishkanot. Alors avant d'y arriver, je voudrais vous expliquer quelque chose de fondamental. Balak,
cette paracha si extraordinaire est la paracha la plus unique de toute la Torah pour une raison simple. C'est la seule paracha de toute la Torah dont les enfants d'Israël n'étaient pas au courant qu'il y avait une paracha de Balak. C'est la seule. Pourquoi ? Parce que tout se passe en dehors de leurs yeux. Quand on voit dans le texte de la Torah, Israël est en bas d'une montagne, puisque eux sont au-dessus d'une montagne. Ils sont au-dessus d'une montagne. Et nous, malheureusement, on n'est pas au courant que Balak pouvait, comme le dit la Gemara dans Brachot, Zayin Amoud Aleph, qu'il connaissait le moment où Dieu se mettait en colère. Et s'il avait dit Kalam, le temps d'une fraction de seconde, alors ça aurait pu être Ras Bechama, fin d'un peuple. Dieu ne s'est pas mis en colère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais tous les jours, toutes les heures, les nations du monde font tout pour nous exterminer, nous accuser dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Les anges accusateurs toute la journée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ouvrez bien grand vos oreilles. Quand nous on dit c'est ça les juifs, regarde comment ils se comportent. L'ange d'Ishmaël, il vient avec un tape. Il fait comme ça. Play, break. Ça veut dire enregistrement. Yeah? Il arrive devant Hachem et il dit tes enfants c'est du tchaloui. Dieu lui dit Eshketirkbar. Tu es toi espèce de tombe. Comment tu oses parler de mes enfants? Ishmaël sonnait les Yaakov. Il dit non, c'est pas moi, c'est Moshe qui l'a dit en bas. Moshe, Maurice, Mordechai. Reverse. Play. De toute façon, les juifs, qui c'est qui parle? C'est un juif qui parle des juifs. Akadosh Baruchou dit Zohar Akadosh, il prend sa tête, c'est une image. Il fait oh, qu'est-ce que vous faites, mes enfants? Mais qu'est-ce que vous faites? Tant que les nations du monde viennent nous accuser de ce que nous sommes, je ne reçois pas leur édoute. Pourquoi? Mais quand nous, on n'est pas capable de s'aimer les uns les autres, quand nous, on dit du mal les uns les autres, qui c'est qui frotte les mains? Les 70 nations dans le ciel. Ah, mettons en air, mais on peut porter plainte contre le ciel, ils n'auront pas le temple cette année. Koldor, Shelo, Nifdabo, Betamikdash, Kilou, Harav, Beyama. Comme ça dit la Gemara, toute génération, le temple n'est pas construit. On peut considérer que c'est comme si qu'il était détruit. Et la fin, écoutez bien. Balak demande à Bilaam. Moi, je l'appelle Billy, je l'aime bien. Sympathique. Ah, Billy. Sa femme, c'était le kid. L'ânesse. Là, je posais une question aux enfants. Je leur dis quel rapport entre Shrek et la paracha de la semaine? Ils m'ont dit le chamor qui parle. C'est pas mal. Dans les deux cas, il y a un âne qui parle. C'est pas le même. Mais la reine dit c'est Ishmaïa. Le peuple d'Israël ne voit pas combien Hachem nous sauve. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue d'un général d'armée d'Israël, un tatalouf. Une histoire qui m'a beaucoup ému. Je voudrais vous la raconter. Sur la bande de Gaza, il y a plusieurs machanim, comme le camp de Zikim, où on s'entraîne là-bas. Et ce tatalouf, c'est une histoire qui est très connue. Je vous dis la vérité, peut-être que vous la connaissez. Si c'est le cas, ben soyez patient. Ce tatalouf a demandé que les imounim, que les exercices, les targilim, soient faits par des soldats eux-mêmes. Alors je m'explique clairement. Il faut que deux soldats des Tzayeret Golanim s'habillent en arabe mechabli, qu'ils doivent, leur mission c'est de pénétrer le camp militaire et de faire des attentats, bien entendu, avec des coups de feu à blanc. Tout est à blanc. Les soldats de la caserne doivent se préparer à une attaque, mais ne sauront pas quand elle a lieu. Mina Shamaim, ce général, raconte que ça devait avoir lieu un mercredi. Il a eu un empêchement qu'il n'a pas pu dire. Il a été appelé où? Par le chef d'état-major. Il est monté à Yerushalayim ce jour-là, alors que ce targil devait avoir lieu ce jour-là. Bassov, ça a lieu le lendemain. Maintenant, lui raconte, pourquoi il raconte cette histoire, il raconte comment il a fait tchouva. Takshivu était. Quand il arrive dans le camp, il va voir les deux soldats bien mechabim. Il leur dit à 11h du soir précise, vous commencerez. Et voilà que le général se trouve dans la base, il regarde sa montre, et il ordonne de faire sonner les sirènes d'alarme, Mechablim Bamachane, Mechablim Bamachane. Les deux soldats, israéliens bien entendu, rentrent dans le camp. Ils n'ont pas réussi à se faire attraper par les soldats du camp lui-même. Très mal. Qu'est-ce que fait le général? Il veut apprendre à ses soldats comment contourner une situation que si on ne les trouve pas à l'intérieur, il faut descendre de l'autre côté du Mahané d'Israël pour ne pas qu'il s'enfuit. Et là, le targil s'arrête net. Un événement tragique vient de se passer. Il trouve deux corps de deux Mechablim de Gaza, avec deux terroristes de Gaza,
noyés dans la mer qui arrive jusqu'à leurs pieds. Le général arrête le stopper, exige l'allumage immédiat de la plage. Ils sortent les corps, ils voient ces deux soldats du Hamas habillés, des pieds à la tête, avec les armes les plus terribles de quoi faire, un pigoua de 500 morts à l'intérieur du corps. Khomer Nef, la totale. Il dit waouh. Il convoque immédiatement les navettes israéliennes, ils retrouvent la sirade. Et s'ils sont venus ici, ils ne sont pas venus à la nage. Ils sont trop chargés. Donc on les a emmenés. Si on ne les a pas entendus, c'est une sirade. Effectivement, il ne s'est pas trompé dans ses comptes. À 300 mètres de la plage, ils ont rattrapé l'arabe qui les avait emmenés à la barque de la bande de Gaza jusqu'à Zikim. C'était bien cette histoire. Quand ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, c'est très simple. Où tu parles. Alors, il leur dit, voilà, c'est très simple. Je devais les emmener. Et à 50 mètres de la plage, ils devaient avancer doucement, doucement dans l'eau pour pouvoir rejoindre le rivage et attaquer votre camp militaire. Ils avaient des explosifs sur eux. Il dit, alors pourquoi ils sont morts? Il dit, parce que j'ai rien compris. Au moment où ils sont arrivés au bord du rivage, vous avez fait sonner les sonnettes de terroristes, terroristes, mechablim, mechablim. Eux, ils ont une panique. Quoi, ils nous ont déjà repérés? Ils mettent des fils dans le sable ou quoi? Moi, j'ai entendu ça, je me suis barré. Je pensais qu'eux, ils allaient quand même se battre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour dans l'eau. Seulement avec leur poids, ils se sont noyés tout seuls. Et apparemment, les vagues vous les ont ramenés à vos pieds. Ce général d'armée a dit, ce targhil, il aurait dû avoir lieu normalement mercredi. J'ai été appelé Minesh Amaïm. J'ai été appelé quand? Mercredi. J'ai pas pu le faire. J'ai poussé à aujourd'hui. J'ai dit, c'est quoi? Je laisse pour 11h. Il dit, toute cette journée-là, j'avais les nerfs comme ça. J'ai dit, mince, on a tout organisé. J'ai fait venir le colonel, toute une organisation. Ils sont tous en train de m'attendre pendant 24 heures à la base pour rien. C'était pour sauver tout un camp entier, qui devait être attaqué par deux mechablim, le jour où moi-même je faisais un targhil qui n'était pas à la bonne date. Kama Kadosh Baruch Hu, dans le malheur, il a dit, il nous sauve. Mais nous, on ne voit rien, comme la parasha de Balak, a dit ce général d'armée qui aujourd'hui fait des séminaires de la Chagav. Il dit, Pashut Meod, tu crois que ton malheur, c'est un malheur, mais c'est pour un bonheur. Atalo Yodea Kama Kadosh Baruch Hu Mechaven, combien Hachem, il fait en sorte que tel événement corresponde à tel événement pour que la Yeshua et la Geoula arrivent en temps et en heure. Velachem, Balak, vient nous expliquer combien Kadosh Baruch Hu, même si nous n'est pas au courant, et qu'on veut nous maudire de toute la malédiction, offert est à Klalot, Livracha. Le jour où on aurait Kras Veshalom pensé une fraction de seconde que Bilam aurait pu nous détruire, ça a été le jour de toutes les bénédictions d'Israël. Et c'est en cela que je commence le cours, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est la préface du cours. Maintenant, on commence le cours. Hachem, Boré Olam, il n'a pas de maison. Seulement, dans la paracha de Terouma, il nous dit Ve'asuli Mishkan, Ve'shachanti Betocham. Faites-moi un lieu de résidence, et ainsi donc, je résiderai parmi vous. Ce verset-là s'adresse à trois dimensions différentes. Et ces trois dimensions différentes suffisent au Créateur du monde pour pouvoir nous faire descendre le Beth Amikdash. Le premier Mishkan, comme l'enseigne Rashi, c'est le cœur du Juif. Ve'ashuli Mishkan, ve'shachanti betocham, et lo betocho, veut dire que le Créateur du monde demande aux Juifs que même le Yetzerara soit un Mishkan pour lui. C'est-à-dire que nous soyons capables de travailler notre cœur comme Hachem est capable de travailler ses midot, de nous pardonner tous les kippour. D'être Erech HaPayim V'Rav Hesed V'Emet. Le Créateur du monde, il dit, si je veux résider chez toi, si tu veux cela, il va falloir que tu retires la haine de ton cœur, la vengeance de ton cœur, que tu juges les Kav Zechout du bon côté, que tu cesses de voir toujours le mal chez l'autre. D'arrêter de juger les autres d'après toi-même. Si tu arrives à travailler cela, ton cœur, pour moi, alors aura l'égalité du Mishkan du Beth Amikdash. Pourquoi? Comme le dit Yirmiyahou, vous avez brûlé un temple déjà brûlé.
vous avez rentré des prostituées dans un temple où il y avait déjà des prostituées. À la Gemara de nous dire que le cœur des juifs à cette époque, au Beth Amikdash, ils avaient déjà rendu leur cœur impur et ils pensaient aux femmes. Alors quand sont venus les Grecs, qu'ils ont rentré, ou le Echal, la statue, il dit mais je ne fais que reproduire ce qui était dans votre cœur. Ce qui fait que si notre cœur aujourd'hui il est travaillé, et que Bémet on arrête nos bêtises, de dire tout le temps du mal, de dire tout le temps des accusations. J'ai entendu une histoire qui m'a presque fait pleurer. C'est rare, pour me faire pleurer, il faut se lever de bonne heure. Bon, je vous dirais, j'étais en train de couper des oignons. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché parce que celui qui la raconte avec des larmes. Son père est un rescapé de Auschwitz. Auschwitz, je ne sais pas comment on dit, n'importe. Et quand il est sorti des camps de concentration, il n'a plus jamais parlé après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Quand il a été sauvé des camps de concentration, il n'a jamais été capable de prononcer un mot. Malgré tout, il a eu la chance de pouvoir se marier et il a eu un fils. Ce fils s'est marié à son tour et il a eu 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Et un de ces garçons-là a fait sa alia en Eretz Israël. Son père, son grand-père, qui avait 94 ans, était placé dans une maison, un foyer juif en France, dont le nom m'échappe, un truc cachère, en tout cas. On donnait de la nourriture cachère, je ne sais pas si c'était cachère, mais en tout cas on donnait la nourriture qui était cachère, ça c'est sûr. Beddin, Vezéou, Atka. Quand le petit-fils est venu voir son grand-père, parce qu'on allait lui annoncer qu'il était mourant, je vous raconte une vraie histoire, je ne vous demande pas votre avis si c'est bien ou pas bien, je vous fais part d'un état de fait. Le petit-fils est venu avec des photos d'Eretz Israël. Il lui a dit, papy, il faut que je te montre quelque chose. Et il lui a montré le quartier de Jérusalem, là où il y a le comment ça s'appelle, Tachanat Roi, comment on dit en français, le moulin de Montefiore. Alors, le vieux pépé de 94 ans, qui ne voyait pas très bien, il dit, c'est très beau. Il lui donne une autre photo, et il lui montre Tel Aviv. Il lui dit, c'est un beau pays. Et ainsi de suite, il lui montre des routes. Il lui montre des photos du Golan. Il dit, comme elles sont belles, ces couleurs. Et à un moment, il lui montre une photo du Kotel. Quand il voit la photo du Kotel, il s'est ému. Il lui dit, pourquoi tu mélanges le Kotel avec les photos d'un pays? Il lui dit, mais ça va. Les photos que je t'ai montrées, ce sont les photos d'Eret Israël. Quand il a entendu ça à son grand-père, il s'est mis à trembler de tous ses membres. Il lui a dit, c'est pas Israël. Il lui a dit, si, c'est le pays d'Israël. Il lui a dit, mais c'est impossible. Israël est un désert. Israël, qui peut vivre en Israël? C'est un pays moderne qui a au moins 2000 ans que tu me montres. J'ai vu les routes, j'ai vu les arbres. C'est pas possible. Et son fils lui dit, Abba, Saba, je vis en Israël. Son grand-père, pour la première fois de sa vie, a pu parler. Et il lui a dit, si je devais tourner encore une année à Auschwitz pour voir ce que Hachem nous a donné, je serais prêt à retourner dans cet enfer. Comme ça lui a répondu le grand-père. Est-ce qu'on est capable de vivre le bonheur que Dieu nous a donné? Vous vous rendez compte qu'on a des bêtes à Knesset dans ce pays? Vous vous rendez compte qu'on a une armée dans ce pays? Qu'on a des yeshivot partout, des Beth Knesset partout, de la Torah partout en Eretz Israël, qu'on fait taxi, un taxi israélien qui t'emmène dans ton pays, d'un endroit à l'autre. Vous vous rendez compte de ce que l'on vit en Israël? C'est ce que lui a dit son grand-père. Jamais, au grand jamais, dans ma jeunesse, quand j'avais eu ton âge, j'aurais pensé qu'une chose pareille puisse exister. Moi, quand on m'a dit de partir en Israël alors que j'étais muet sous choc de la Shoah, j'ai dit pour vivre où? Dans des tôles? On m'a dit que c'était des tôles et que pour aller faire ces excréments sous votre âme, il fallait creuser dans la terre. Mais ce que tu me montres est un pays moderne. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Comme ça Dieu répond sur vous. Vous niftar. Kavroto, Dar Azeti. Ils l'ont emmené
l'enterrer à Arzeti. Sfirotai verabotai, zélève chez la dame. Quand une personne elle a un cœur pur, elle ne voit que de belles choses. Ayam Aseh, Betel Aviv, il y a deux rabbinim de Yeshiva de Bnei Brak qui sont venus demander un don à un richissime. Alors ça se passait où? Son bureau à lui était dans un building à la Tahana Merkazit à Yeshana de Tel Aviv. La Warik. La Tahana Yeshana, l'ancienne station de bus à Tel Aviv. Vous avez compris le cours? Vous avez compris le cours? Alors, les rabbanim, ils sont gênés de descendre là-bas. Et ils montent au quatrième étage de ce Israélien qui aime la Torah. Voilà, ils viennent avec les classeurs. Nous avons 400 élèves. L'autre, il dit, moi aussi, j'ai 400 élèves. Pousse-toi. Hein? Et le richissime, il sort un chéquier. Il fait un chèque, il met dans une enveloppe. Il dit, ça, c'est pour vous. Il fait un chéquier, un chèque. Il met dans une deuxième enveloppe. Il dit, ça, c'est pour vous. Toda Rabba, excusez-moi, je suis en rendez-vous, je ne peux pas vous sortir plus longtemps. Faites-moi un reçu. Toda Rabba, tskoulimzot masim tovim, envoyez-moi par courrier. Non, on va le faire maintenant. Non, par courrier. Les deux rabbanim, quand ils sont arrivés en bas de l'immeuble, ils disent Baruch Hashem, Barakallah. Il est bien, il est rapide en plus. Alors il dit, combien t'as donné? Il dit, je sais pas. Il ouvre l'enveloppe, revenez un petit peu en arrière. Et le mec, il a un sourire qui part de l'oreille. Et puis le tour de l'oreille. Il est comme un ouf. 100 000 shekels pour sa yeshiva. L'autre yeshiva, il dit, waouh, c'est Yofi, il ouvre le sien. Et là, un arc à l'envers, d'une oreille à l'autre oreille. Il y a marqué chez lui 10 000 shekels. C'était deux Rav Ashkenazim, que Dieu les bénisse. L'un dit à Alech, il lui a dit le deuxième, Rolla Menach. Ouais, c'est deux. Ils ont fait de chouva, là. Ils sont venus tunisiens les deux, ils ont dit non, c'est pas possible. Allez, Shadin. Lama Efa Vaefa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je t'en prie, regarde. Viens, on remonte le voir, peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être qu'il voulait faire 60-60 ou 55-55. Oui. Il a l'air sympathique, le mec là-haut, tu vois. Alors, il remonte en haut, et le riche, quand il les voit les deux derrière la vitrine, il est mort de rire. Il leur a dit, vous avez ouvert l'échec, hein? Il a dit, ouais. On peut te parler? Il a dit, non. Ben, viens, viens, lui. Qu'est-ce que tu veux? Ma tatsarir, Godarab. Il lui a dit, t'as dit, Ouyota, il a fait Mimeni. Il est plus beau que moi. Il a 400 élèves. J'ai 400 élèves. Pourquoi lui, il a 100 000 shekels et moi, j'ai 10 000? Si c'est tout ce que vous pouviez donner, on est prêt à venir tunisien. 55-55. Ah ben, lama. Esser élève, ma élève. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Zélo fait. Vous risquez de donner des comptes devant Hachem. Yota, tu commences à me chauffer, viens ici. Deki. Kolo. Kali. Voilà, kol. Je vais te dire pourquoi lui, je lui ai donné 100 000 shekels et toi, je t'ai donné 10 000 shekels. Toi, tu as un cœur qui est pourri et lui, il a un bon cœur. Le Rav lui a dit, c'est pas joli de juger les gens du mauvais côté. Il lui a dit, je l'ai appris de toi quand tu es rentré dans mon bureau. Lui, quand il est rentré dans mon bureau, il m'a dit, Ezeyofi, j'ai vu au premier étage, je vous ai fait une petite synagogue pour prier en minyan. Je vois que vous avez des livres de Torah dans votre bureau. Ashrecha, vous êtes une lumière dans l'obscurité. J'ai aimé sa façon de voir le monde. Vous, quand vous êtes venu me voir, vous m'avez dit, comment est-ce qu'un homme aussi élogieux que vous peut vivre dans une telle prostituée en bas, sex shop, ainsi de suite? Vos yeux, ils voient que le mal. Alors celui qui voit le mal, il mérite à peine 10 000 shekels. Mais celui qui voit le bien, il mérite 100 000 shekels. Travaillez votre cœur et vous aurez la même chose. Le Rosh Yeshiva lui a répondu, « Mikol mi lamda iskalti ke et votecha sikhali ani chozer b'tshuva atat sodaki. Khatati l'Hashem. » Toi, tu es venu, tu as vu quoi? Comment est-ce qu'un homme comme vous peut être dans un groupe pareil, des Habibi? Vois le bien. Ici, sache une chose, le minyan, il est plein tous les jours. Tire ta tzadatov. C'est ta ken et ta lève. Parce que le Créateur du monde dit lui-même, Veshachati betortum otam. On l'a lu récemment dans la paracha de la semaine, il y a deux semaines. Et je résiderai parmi votre tum A. Il dit, Dieu réside. Et toi, tu viens critiquer. Veshachanti betortum otam. Lota oratam. Je vivrai même parmi vous si vous êtes tamé. Donc Dieu, il te dit, avec ton cœur, tu dois être pur. Tu dois relever. Le Créateur du monde
ne recherche que des hommes prêts à soulever l'étendard d'Israël. Que des hommes qui seront prêts à dire de ce pays de belles choses. Comme j'ai l'habitude, on va poser la question à des gens qui ne veulent pas monter en Israël. Je dis, non, ils se trompent. C'est la terre qui ne veut pas dire. C'est pas moi qui les dis, c'est on va y craindre. Si je ne suis pas content, il va au côté. Ce qui paraît, notre éducation en Israël, elle est catastrophique. Ils ont juste oublié en France qu'ils sont à 80% d'assimilation et aux États-Unis 82%. J'ai reçu des chiffres officiels sur mon portable aux États-Unis. Et c'est de là-bas qu'ils viennent nous donner à nous des leçons de morale en Eretz Israël, alors que bien à Eretz, quand je lève les yeux, je vois que des bons juifs, bon, avec du Barry White, Stevie Wonder, bon, c'est vrai. Aval Baruch Hashem, au moins on est chez nous. C'est le premier Mishkan. D'être capable de changer son cœur. Il y a un Mishkan beaucoup plus élevé que celui-là. Et celui-là, par contre, est dépendant de la Géoula. Chez Nehemar, Baruch Ata Hashem, Mesameach Tzion, Bevaner. Ce sont nos enfants. Je vous ai dit que Yerushalayim est relié à la jeunesse juive. Ce sont les couples. La Shekhina, les couples. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est vraiment d'actualité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de toutes les époques, depuis la création du monde, on n'a jamais connu une période de divorce comme la nôtre. Ça n'a jamais existé. Je ne dis pas parce que je travaille avec la Rabbanout, je ne dis pas parce que je m'intéresse au sujet, que je marie des gens toute la journée. Je le dis parce que j'ai vérifié, dans toutes les époques, on n'a jamais, jamais, jamais vu ça. Jamais. La seule période où on a vu plus de divorces, c'était à l'époque de l'Égypte, quand Abraham, père de Moshe, a ordonné à tous les juifs de divorcer. À part ça, on n'a jamais connu. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, à Tel Aviv, 12 000 divorces. 12 000 divorces. Lama, Tshuva Pshuta, le Yetzer Hara connaît les secrets du Mishkan. Et étant donné que le Yetzer Hara connaît les secrets du Mishkan, il sait comment reconstruire le Bet HaMikdash. Et il sait que ça dépend, petit 1, quel degré ? Le cœur. Arrange ton cœur, et un cœur doux, et un cœur patient, et un cœur rempli de rachmanout, et un cœur qui juge les kavsrout, on en a parlé. Au-dessus de ce cœur maintenant, il y a ce qu'on appelle Veshachanti Betocham, Mise Betocham, c'est plus le cœur, c'est Ish Veisha Shezachru, Shrina Shruna Shruya Benehem. Et si c'est pas la si Imlo Zachru, Shrene Shruya Benehem. Ça veut dire que si le couple a le mérite, il y a marqué que la Shrina, elle vit avec eux à la maison. La reine, chaque fois qu'un couple se marie, qu'est-ce que fait Hachem ? Depuis que le monde a été construit, mais avec Zivugim. Quelle est la chose qui intéresse plus le créateur du monde ? Bat ploni le ben ploni, mariez-vous. Et le mariage est tellement important pour Hachem, le shalom bayit est tellement important, qu'il dit, efface mon nom s'il y a des problèmes de doute. Si mes sota, si la femme, l'homme est jaloux et qu'il estime que sa femme, elle a regardé Tartampion de la Bretonnière, efface mon nom, Yudke Vavke, viens ici, toi, Yatiko Ejik. Ouais, efface mon nom pour que le couple reste ensemble. Elle m'a aimé la Torah. Efface mon nom, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il sourde au raïta, il dit Hachem. Et pourquoi ? Il me dit parce que tu n'as rien compris. Mon nom sur du claf, sur du parchemin, est loin d'avoir la même valeur que quand je réside parmi un couple qui s'aime. Quand l'homme et la femme se respectent, alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara ? À une période où le Beth Amigdash va se reconstruire, il est en train de faire des croche-pattes au Mishkan du cœur, de la haine entre nous, la haine des tendances, la haine du juif, la haine de la critique, la haine du Lashon Hara, la haine du Motzi Shem Ra, la haine d'Eretz Israël, la haine du gouvernement, la haine de Taras, la haine de la belle-mère, la haine, 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 en hébreu, pas haine en français, la haine, haine clon. Une fois que c'est fait, une fois qu'il a réussi dans ce domaine, on peut dire qu'il a été balèze, à qui il s'attaque ? Au couple, puisque la Géoula dépendra de quoi ? Du shalom dans les couples, chez Neymar, Hachem Verrechtamo, Bachalom. C'est le deuxième Mishkan. Le deuxième Mishkan dans lequel le Créateur du monde demande à reposer, c'est quand la femme et l'homme résident dans le shalom. Quand un homme aime sa femme et une femme aime un homme, c'est-à-dire pas comme les Tunisiens, ils ont un grand cœur, les Tunisiens, ils aiment toutes les femmes. Mais ils ont un grand cœur, ils aiment tout le monde. Il y a une femme qui m'appelle, elle m'a dit, je crois que mon mari me trompe. J'ai dit, qui m'a dit que la secrétaire, j'ai été le voir, j'ai dit, mais t'as dit, attends, c'est je touillote, il m'a dit oui.
Tu es avec qui? Il m'a dit avec la secrétaire. Tu as la raison, ta femme. Il dit, qu'est-ce que tu veux que j'aime tout le monde? Bon, il a de l'humour au moins. Il est blide, mais il a de l'humour. Velachen, Bissirata d'Ishmaïa. Quand dans les couples aujourd'hui, on est capable de se comporter comme la Torah le demande, d'avoir de la tsumet lef pour son épouse, d'avoir du respect pour son mari, et d'avoir, comme je vous l'ai déjà dit, dans un couple, 1 plus 1 égale 3. 1, c'est le divorce. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est mort pour l'autre. 1 plus 1 égale, il y a toi, tu es ce que tu es, il y a moi, je suis ce que je suis, il y a Dieu qui nous dirige. C'est ce que tu me demandes, ça le pire à la chasse, mais c'est derrière, il n'y a pas de raison de se disputer. Mais si tu me demandes des choses qui sont anti-halakha, 1 plus 1 égale 3. Shrina shruya benehem. Il y a la shrina entre nous deux. Quand c'est comme cela, alors on peut monter au Beit Hamikdash, comme le dit dans Maseret Yoma. Comment est-ce qu'on montait au Mishkan? Il y avait le Khatser Apnimi pour les hommes, le Khatser Achitsoni pour les femmes. Les hommes et les femmes montaient ensemble. Et dans le Shalom, on était capable de faire des sacrifices, même avec les goïms qui venaient aussi faire leurs sacrifices au Beit Hamikdash. Parce qu'il y avait le shalom entre nous. Entre nous, pas entre l'homme et son prochain. Pas ve'ahta l'ereacha kamocha bilvad. Mais surtout entre un homme et une femme. Car quand la paix réside dans un couple, la Shekhina, elle, se console. Vous savez pourquoi? Elle dit, ok, j'ai pas de maison, mais j'ai des amis qui m'habitent chez eux. Mais s'il n'y a pas de shalom dans les maisons, pourquoi Dieu il se met toujours la mezouza à l'extérieur? Vous savez pourquoi? Alpipchat, Chomer d'Altot Israël. Les goïms, ils ont des chiens, les lefelfav d'Alim, pour garder leur maison. Nous, Chomer d'Altot Israël, nous avons la mezouza, Zaz Mavet. C'est l'aide du mot mezouzot. Mais vous savez pourquoi, Alpi Chassidut, la mezouza, elle est à l'extérieur de la maison? Tout simplement pour qu'on l'invite. Veu betecha betva la chachamim. Hachem, il est à l'extérieur parce qu'il ne veut pas te déranger. Mais en réalité, Hachem, il a peur que s'il rentre chez toi, c'est rassera. Imagine, tu vas chez quelqu'un. Imagine. Tu vas chez quelqu'un et t'entends derrière la porte, je vais te tuer, de toute façon tu as ceci, et toi tu as cela, et t'entends des vases qui se cassent. Tu rentres. C'est ce qu'elle dit la Shrina. Elle dit, punaise, moi j'ai pas de maison, j'ai rien, bon allez je vais aller chez ce couple-là. Et l'homme il veut que sa femme. Et la femme, de toute façon ta mère, de toute façon ta mère, tu vas crever avec toi, tu vas crever avec ta mère, la bouche comme ça. C'est une sorcière ta mère. Pourquoi je me suis cassé l'ongle? Elle est venue, il est cassé, voilà. Là, je connais, dis, Yamma l'Ramma à dire. Yamma, ce qu'ils sont blits, ceux-là, je vais voir un autre couple. La reine, le deuxième Mishkan, cher ami, dans lequel Akadosh Baruch Hu veut reposer, c'est dans les couples. C'est pour ça que quand un couple, écoutez bien, quand un couple se marie, la Gemara nous dit quoi? Ils reconstruisent une pierre de l'édifice du temple. Chaque fois qu'un couple dit, Pikad bo, I love you, take care, otsiamu, ishle bedish, il lui dit, at me gudishat ibetaba, zokadam, shil Israël. L'âme qui se réunit en haut construit une pierre du troisième temple. Et la Gemara nous dit, chaque fois qu'il divorce, le pierre du Mizbeach, il pleure. Les pierres du Mizbeach ont fait les sacrifices, il pleure. Pourquoi il pleure? Al-Pisod, Rabbi Shimon Lecha, il dit, parce qu'il ne pourra pas descendre sur terre. Encore un couple qui divorce, ça éloigne la Géoula. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de divorces? Parce que le Yetzer est concentré sur quel domaine? Le divorce. Allez, je vais pénétrer le cœur de l'homme, une des perdues, 10 de retrouvées. Hop, c'est qu'il n'a rien à voir. La femme, qu'est-ce qu'il veut dire? Hein? Oui, la femme aussi, si tu veux, mais en attendant, celui qui en perd le prix, c'est qui? C'est vrai, tu ne retrouves pas comme ça, mais c'est en claquant d'aller voir, tu retrouves un homme comme ça. Je vais vous calmer tous les deux. Vélachène, faites très attention. Zélo Pachout. Quand à Kadosh Baruch Hu, il voit que les couples divorcent, ça éloigne la Géoula, ça éloigne la Géoula. Le Kourban, comme ça, c'est marqué, les pierres du Misbar, Bochim. Et pourquoi il pleure? Vous savez pourquoi il pleure? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il pleure? Qui c'est qui a dit? Ouais, une sur mille, là. C'est qui? Hein? Il y a des chiens. Vous voulez savoir pourquoi? Oui. Olé. Oui. Eh bien, vous ne saurez pas. Non, c'est ce que je veux dire. Pourquoi? Tout simplement parce que le Mishbeach, il vient du monde du domaine. Il y a quatre mondes dans lesquels on vit, qui est le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Le plus bas d'entre eux, c'est le minéral. L'homme, c'est le plus haut d'entre eux. Vous êtes avec moi? Le Mishbeach, il donne son dos toute la journée pour des sacrifices pour lesquels lui, il n'a jamais fauté. Et le Mishbeach, pourquoi il pleure? Il dit, je comprends pas. Moi,
J'ai rien à voir avec les crimes qu'ont fait ces gens dans leur faute. Je viens du monde du minéral. Et avec tout ça, vous sacrifiez vos bêtises sur mon dos à moi. Et toi, tu es humain, tu peux pas prendre un peu sur ton dos des sacrifices? Tu peux pas te sacrifier un petit peu? De la reine à Misber, Boché à la Misraël. Quand un couple il divorce, Misber, il a des boules. Il dit, moi je suis une pierre Bessarakol, j'ai pas fait une seule faute dans ma vie, mais tous les sacrifices, le sang coule sur mon dos. Je porte, moi, le sacrifice de vos erreurs. Et vous, les humains, vous ne pouvez pas porter sur vous un peu le sacrifice de l'erreur de l'autre, c'est pas grave? Zéperouchadam. Le troisième lieu, qui s'appelle Mikdash Mu'at, c'est la Beth Knesset. C'est le troisième lieu. La Beth Knesset, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Alav Shalom, a enseigné à ses élèves quelque chose qui contredit le Shulchan Aruch. Et lui s'est basé sur un verset de la Torah qui dit « Ma anora amakom azé » Étant donné que Yaakov Avinu Alav Shalom, quand il s'est endormi, « Vaifga b'amakom » et que la Shekhina, Yerushalayim, est venue jusqu'à lui, il dit « Si j'avais su, jamais je n'aurais dormi dans un endroit aussi saint. » Il dit que la Soukha, elle a la même valeur que le Kodesh HaKodashim. Il dit « Comment Yaakov, il a regretté de dormir là-bas et vous, vous dormez dans la Soukha ?» Ça pire assez doute. Ça concerne les enseignements du Rabbi. Shkhanabur Sfarad, dans l'enseignement aussi du Gaon de Vilna, « Anachnu Yeshanim Basoukha » C'est-à-dire, c'est une déa, « Val, Shvim Panim la Torah » On n'a pas le droit de les zelzel. Rabbi, Diber ou Diber. Et c'est ce qu'il dit aussi. « Aval, nous, Sfaradim, on a le minag de Vadaï de dormir dans la Soukha » C'est-à-dire, « Aval, comment on dort là-bas » On dit « Mishnabroura » Il mange là-bas, il dort là-bas, il va avec sa femme là-bas, ou c'est à col là-bas, va le kedat moucher l'Israël, mais fais attention. C'est que souka, c'est la gematria du mot Shem Adud Beshem Avaya, 91 gematria malach. Ça veut dire que la shrina réside sur place. Le problème, c'est que le Yetzerara, si vous regardez bien, en quoi il s'apprend? Premier mishkan de l'homme, le cœur. Deuxième mishkan, le couple. Troisième mishkan, la bête Knesset. Dans une bête Knesset, je ne dis pas ça pour juger, j'explique là à la faute. Vous avez un rab ici qui vous confirmera ce que j'ai dit ou pas. En général, je n'ai pas de bêtises, j'ai les références à tout ce que je dis. Une femme qui rentre dans une bête à Knesset, l'eau levouchal qui à la fin empêche la prière de tout le tibour de monter. Les gens ne le savent pas. Les gens mettent à la synagogue, ils viennent avec les bar mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait le satan? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là à me regarder? Qu'est-ce que tu me regardes toi? Moi je suis une prostituée moi? Non, il y a juste un problème. Tu viens avec les manches comme ça, notre prière elle ne peut pas monter. Tu n'étais pas au courant de la chose? Tu sais pas ce que dit le Zohar? Tu te renseignes pas sur le problème? Avant nos mères, les fausses blondes. À l'époque de dynastie. Ouais. Tu leur disais, viens à la synagogue. Elles n'étaient pas chômeret de Shabbat. Attends, c'est honteux, je ne veux pas comme ça. Attends, je prends un gilet. Attends, je prends un... Vous n'avez pas un voile? Vous n'avez pas un foulard? Elles n'étaient pas dans la Torah. Elles allaient manger l'hippopotalamus. Regardez la falabou, comment ça s'appelle? McDonald's. Elles n'étaient pas religieuses. Ni une synagogue, ça se respecte. Pourquoi aujourd'hui on n'en est pas là? Parce que Zeme Akev et Ageoula. Quand on vient dans une bête à Knesset, non seulement elle n'est pas pudique à l'extérieur, mais on vient à la synagogue impudique. Keilou, Maesh, Ma, Tagit, Odashé, Bati, Yani. Merci que je sois venu. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Quel est le plus grand péché de la Torah? Le plus grand, numéro 1, Shulchan Aruch. Siman Kaf E. On n'a pas le temps. Zera Levatela. En Avera Hamura Emena. Comme ça, Katoub Shulchan Aruch. Zot Avera Hamura Mikol Averot Sheba Torah. Zera Levatela. C'est la plus grave de toutes les Averot. C'est ça? En privé, je te raconte ça. Tu as compris le cours? Écoutez, mon père. Il est, mais sa semence en vain. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, donc je le dis. C'est le plus grand péché de toute la Torah. Mais quel est le deuxième plus grand péché? Ce qui est dit pour ce que je vais vous dire maintenant n'est même pas dit pour Zera Levatala. Shulchan Aruch nous dit, celui qui enfreint ce péché-là, un or halek beloke Israël, il n'a pas de monde futur.
Non, effectivement, ça aussi c'est marqué, mais c'est pas marqué comme ça. Dans ma secrète Baba Metzia, Nunchet Amoudbet, là-bas c'est marqué Yored Genam Beno Leolam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans ma secrète Avot, c'est marqué ce que vous dites. Kol Amalbin Peno Chavero Baramim, Elo Chelek Malamaba. Celui qui humilie son prochain en public. Donc ça, ça rejoint quel Mishkan? Celui du cœur, manqué de cœur. On est d'accord. Le deuxième péché le plus grave de toute la Torah, c'est celui qui parle dans une synagogue. De là, il est dit de lui, En lo chelek la olam haba. En lo chelek la olam haba. En lo chelek. Donc ça, pour venir au cours et faire tchouva. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le troisième Mishkan des Zohar Kadosh. Va asuli Mishkan Mouat. Mishkan Mouat Mizé. Beta Knesset. J'ai un tarab. Assur le Deber Klal, Beta Knesset. Assur le Deber Beta Knesset. Regardez le Yetzerara maintenant. Sur quoi il s'est pris, je vous en supplie. Sur quoi il s'est pris, le Yetzerara? Quels sont les trois pôles sur lesquels, il tape au maximum la haine dans le cœur? Chacun se juge, les Kafrova. Je vais te tuer, espèce d'enfoiré, espèce de ceci. Façon toi, façon. Deuxième cas, Shlom Bayit. C'est comme ça que j'ai pas besoin de toi, hein. Tu n'es pas content, c'est pareil. Hein. La maison, de toute façon, tu ne sors pas du pays, hein. Tu vas payer. Tu vas... Prends une tétine, fais l'euro, mets la couche, qu'est-ce que tu as? Calme-toi, qu'est-ce que c'est? Bon, ça y est. Avant de donner la ktouba à la belle-mère. Pourquoi? Il fallait passer la frontière de la belle-mère. Eh bien, vous avez la ktouba, vous savez où elle est? Qu'est-ce que tu as avec ma fille, toi? Rien du tout. Non, j'adore. Qu'est-ce que tu as avec les blala comme ça de chaque côté? Qu'est-ce que tu as? Avec ce tâche d'idée, on appelle ça. Les mollets de dinosaures. Qu'est-ce que tu as, toi, avec ma fille? Pourquoi tu veux la ktouba? Rien du tout. Vous l'avez, elle est bien, ça va. Aujourd'hui, c'est la belle-mère qui sort la ktouba et dit à sa fille, jette-le celui-là, tu n'as pas besoin de lui. Il était clochard avant qu'on le rencontre. Qui, pour qui se prend? Regardez Yetzerara, jamais les beaux-parents se mêlent des coups. Jamais! Aujourd'hui, il n'y a que ça. Sous prétexte qu'ils ont aidé, ils ont donné un billet pour acheter une maison, quoi que ce soit, quand ils viennent là-bas, tu es chez nous ici, ma fille. Hein? Et toi, tu te la fermes, tu n'as rien mis. Quand on fait des misotes, on ne se la ramène pas plus. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai au bureau. Ce sont des rendez-vous que j'ai toute la journée au bureau. Hachem et Shema Overa. Les beaux-parents qui se mêlent. Et puis, c'est pas un cours sur le Shalom Bayit. C'est juste pour expliquer que c'est le deuxième Mishkan d'Akadosh Baruch Hu dans notre période. C'est ça qu'on doit réparer. Il y a quelqu'un qui a lancé un message en disant la Géoula ne vient pas à cause des homosexuels, ni du manque de pudeur, mais vient à cause du Lashon Hara. Ze Emet Bechelek. Ze Emet Aval Bechelko. C'est vrai en partie. Aval Zenon Nachon de dire une chose pareille. Parce que le Lashon Hara n'est rien d'autre. D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara, c'est même pas de moi. Il dit caché la shonara yoter mi avodazara gilu yarayot vishpichut damim. Je m'explique. Et dur la avodazara comme le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. C'est clair? La Gemara, c'est pas ce qu'elle veut dire. La Gemara, elle dit que le fait d'arriver à cela, de faire de l'idolâtrie, du meurtre et d'inceste, même au lashonara, c'est pas que le lashonara est plus grave. C'est que l'élan de cela amène à cela. Les éperouchas d'abord. Mais la crème, nous sommes dans une période aujourd'hui où aujourd'hui, plus que jamais, dans une période où la shrina est en bas pour qu'on la relève, on doit travailler ces trois éléments qui sont le cœur de l'homme, le couple de l'homme et de la femme, bien entendu, et la Beit HaKnesset. De faire l'effort, Be'emet, de donner la douche à la Beit HaKnesset. Chaim ve'mavet be'yad alashon. Tout est dépendant de notre bouche. Quand on vient dans une Beit HaKnesset, les filles à la chasse sur les palels, on n'a pas le droit de prier dans une synagogue où il n'y a pas de rav. Parce que le Zohar nous dit, toute synagogue où il n'y a pas de rav, tu peux être certain que c'est le Satan le rav. Kachmevi Azohar Rabbi Shimon Bar Yochai. Assur l'itpalet, bebet akneset shen borav. Lama, c'est comme un corps qui n'a pas de tête. Hayav shi rav. Et le rav, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des shiurim. Il explique la gravité de venir en pantalon, de venir dénudé dans une synagogue. Il explique la gravité de parler dans une synagogue. Pas il dit, vous êtes en face de Chantal Goya, les enfants, taisez-vous. Il n'est pas dans un théâtre. On va expliquer au tzibour la gravité, comme je le fais dans mes bêtes midrashot. Chez moi, personne ne parle. Et tout le monde fait tchouva. Et les femmes sont toutes en jupe avec des kiswim. Ma femme ici présente, que Dieu bénisse son mari, peut en témoigner.
Parce que j'ai dit aux femmes de mettre le kissouille chez nous. Jamais. Elles ont toutes le kissouille. J'ai expliqué pourquoi c'est important de se couvrir la tête. Elles ont toutes des jupes. Je n'aurais jamais dit d'enlever les pantalons. J'ai simplement expliqué l'importance et la gravité pour un pantalon et l'importance d'être une femme pudique. Tout par amour. C'est le tafkid des rabbanim. Mais la reine, avant que le tzibourg, les gens fassent teshuva, il faut d'abord que les rabbanim fassent teshuva. Le fait d'avoir fait le geste que vous avez fait d'inviter un Haridi dans une bête Knesset Lubavitch, il n'a rien à mettre, essaie de rentrer dans le jeu, Yabid. Fais-moi, ouais. En tout cas, moi je suis parti dans deux synagogues. Lubavitch, c'est un événement, sachez. C'est un événement. En général, les Lubavitch n'invitent que des Lubavitch. Les Brestev, que des Brestev. Les Kipot Srugot, que des Kipot Srugot. Les Shrorim, que des Shrorim. Tu fais pas partie de mon clan, Arachodat, t'es pas de ma dent, casse-toi, tu cuis et marche à l'heure. Pardon? Non, je n'allais pas, il n'y a pas des rabbins. Madame, ne rentrons pas dans le conflit, vous vous trompez. Sans conflit, gardez... Non. Madame, c'est récent. Baruch HaShem, je peux vous l'affirmer, ça fait 25 ans que je suis rab, c'est récent, et c'est un pas extraordinaire. J'ai déjà essayé de rentrer chez les rabbins il y a à peu près 15 ans, et ils m'ont retiré le micro. Non. On ne va pas entrer dans ce détail, chacun croit en ça. On a fait un cours sur ça d'ailleurs chez les rabbins, on a le droit de croire en ce qu'on croit, Et ce problème existe un petit peu partout. Il y a même des Shtraimelin qui ne se comptent pas dans le Minyan s'il n'a pas le même Shtraimel que l'autre. Donc, rentrons pas dans le problème parce que si c'était le cas, ça ferait longtemps qu'on aurait eu la Géoula. Quand la tête marche bien, alors le corps fonctionne bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous aussi, et je dis ça en mon nom, nous aussi, dit les Rabbanim, si je peux me mettre dans le lot, on a une Teshuvah à faire. Nous aussi, on a... C'est ce qu'a dit absolument. Et un instant, vous savez pas c'est quoi Zerah le Batala, maintenant vous savez. Le monde de la Torah aussi doit faire ça, cet effort extraordinaire. L'homme échané, le fonctionnement du cœur et des midot, Bezrat Hashem, pourra nous permettre de reconstruire le Beit HaMikdash. Je voudrais juste m'arrêter là pour une simple bonne raison. Je n'ai pas commencé le livre. Je voulais le faire un petit peu avec vous par rapport au fait que les Chachamim demandent une explication profonde sur la période de Ben Hametzarim. Mais je voudrais vous donner la parole pour quelques questions. Parce qu'en général, les gens ont souvent des questions, mais on ne peut pas les poser. Alors je vous laisse la place pour quelques questions. Après quoi, je vous laisserai en vous remerciant, Gros Darav, pour cette invitation de ce beau Beit Midrash qui soit rempli de lumière, d'amour pour le peuple d'Israël. Et je rappelle que aimer l'autre veut dire aimer pour ce qu'il est, et non pas parce que j'ai envie d'aimer pour ce que je suis. C'est toute la signification de ce que nous sommes. Comme disait Chachamim, ne cherche pas à changer l'autre, mais complète chez toi ce que l'autre possède, que toi tu n'as pas. C'est ça la complémentarité. Vous avez aussi des livres de Rabbi Nachman qui vous sont présentés ici, très sympathiques par Ninette et Ginette. Chava. J'ai oublié le nom. Nina et Chava. Et qu'est-ce que j'ai dit moi? Ninette. Ninette et Ginette. La dernière fois j'ai dit Jabot Anastasie. Donc. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là précis, vis-à-vis des lois de Ben Hametzarim, vis-à-vis du cœur, vis-à-vis du couple, vis-à-vis de la synagogue? Vous avez des questions, monsieur? Avec les jeunes, quand je fais un débat avec les jeunes, ils se battent pour poser des questions, et là, je vois qu'il n'y a plus de questions, c'est que le cours était bien fait. La question, c'est si un couple, quand il divorce, la Shrina pleure, le Misbéar pleure plus exactement, alors pourquoi on dirait dans ce cas-là Mazal Tov? Avant qu'une chose n'arrive, alors on pleure, mais une fois qu'elle est arrivée, alors on dit Mazal Tov. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde a la magnificence exceptionnelle d'être capable de glisser sur nos bêtises pour en ressortir une fois de plus une Géoula. C'est ça qui est très fort chez lui. C'est que l'on fasse ou pas sa volonté, dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'on fasse ou pas sa volonté, qu'on soit dati ou qu'on ne le soit pas, vis-à-vis d'Hachem, ça ne change rien.
Ça fait juste dire Rabbi Hanina ben de ça perdre du temps à la Shrina. Yesh derer shiyaruka bal ktsara, yesh derer shiyaktsara bal yaruka. C'est un long sujet pour nous-mêmes. Mais je veux dire par là que la seule chose que nous on fait, quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, Hachem il n'a pas de problème dans ses comptes à lui de régler ce qu'il a besoin de régler sur terre. C'était tzadik ou c'était racha, chez lui ça ne change rien. Pourquoi? Parce que le tzada dans l'origine ne fait qu'un. Dougma. Qui est l'homme qui a réussi à faire teshuvah tout le peuple d'Israël comme aucun homme n'a réussi à faire? Aman. Bonne réponse de ma femme. Pas du tout. Qui est celui qui a réussi à faire au peuple d'Israël teshuvah comme personne n'était capable? La Gemara dans Megillah nous dit Aman. Pourquoi? Avec qui on a fait teshuvah? Aman. Hamina etz, zeremez emret agmara. Mais la reine, qu'on soit dans la Torah ou qu'on soit pas dans la Torah, vis-à-vis d'Hachem, les seuls perdants, c'est nous, c'est pas lui. Nous, qu'on fasse Torah ou pas, vis-à-vis d'Hachem, ce que disent souvent les chilonim. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem, que je touche la lumière le Shabbat si j'ai envie de toucher moi? Ata tzodek, mais t'es le seul perdant. Shenema, Rabbi Hanania, Beran Akashon, Ratsa Kadoshkou, les Zakot est Israël, les Zakot est Atzmo. Dieu, que tu fasses Shabbat ou pas, dans l'absolu, il est Dieu avant d'exister. Que tu existes et après que tu existeras, aïa au bébé yé. Mais en quoi, Béhémet, le fait que nous changions notre histoire, et j'aimerais répondre à cette question qui est une globalité pour les autres, c'est que ce soit mon cœur de pardonner, d'accepter, de juger les casse-routes, de rester avec ma femme, même si le mec il craque pour X raisons, de me taire dans une synagogue alors j'ai envie de raconter des choses. De parler de travail, tu vois, tiens, je t'ai pas vu depuis longtemps, alors ça va le travail, j'ai une super affaire à te proposer. Mon Dieu, mais fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Si je le fais parce que Dieu me l'interdit, alors j'ai fait de lui un roi. Et je voudrais vraiment expliquer ça de façon claire. C'est toute la Torah de Rabbi Nachman d'Erech Agav à propos de Rosh Hashanah. Baruch Ata Hashem HaMelech HaKadosh HaMelech HaMishpat Hashem Imloch Leolam Vaed. Si vous regardez bien toutes les prières de Rosh Hashanah, c'est la constitution que Dieu est notre roi. Maintenant, la définition de cela, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait de Dieu qu'il est roi? Réponse très simple. Une fois, on raconte qu'avec Rabbi Yoshua, un des empereurs de Rome, lui a dit à Rabbi Yoshua, « Moshe est mort et moi je suis vivant. » Rabbi Yoshua lui a répondu, « Moshe chai va atamet. » Je ne sais pas si tu imagines, tu dis à un empereur, « Atamet, tu es mort, klet. » L'empereur lui a dit, si tu ne le prouves pas dans 3 jours, je te tue. Et il lui a dit, très bien, dans 3 jours, tu auras une réponse. Ordonne dès maintenant que demain, personne n'allume le feu dans leur demeure. Personne. Et toute fumée qui sortira des cheminées seront mises à mort. L'empereur ordonne et envoie des missiles dans tout son royaume que personne n'allumera le feu le jour prédestiné par l'empereur. Rabbi Yoshua monte sur le toit et dit à l'empereur, c'est quoi là-bas? L'empereur baisse la tête, c'est quoi là-bas? L'empereur baisse la tête, il dit, c'est quoi là-bas? Il lui a dit, ok, il y a des fumées partout, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Et il lui a dit, dans 2 jours, c'est Shabbat. Viens dans le quartier des Juifs. Il y a marqué dans la Torah, lo tevaru esh bechol mojotechem, ça ne veut pas dire le feu, en réalité c'est la colère, puisque le inyan d'allumer la lumière, c'est l'inyan de bonnet pendant Shabbat, construire pendant Shabbat. Mais il lui a dit ça comme ça, si, on ne va pas perdre de temps avec toi. Et il lui a dit, est-ce que tu vois de la fumée qui sort? Est-ce que tu vois des gens qui mettent la cheminée en route? Alors l'empereur lui a répondu à Rabbi Yoshua, Moshe Chai va animer. La Gemara vient nous apprendre ici quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui fait de Dieu qu'il est vivant quand on l'écoute? Si on n'a pas la force pour nous de changer, si on n'a pas la force pour nous d'estimer qu'il mérite qu'une femme fasse un repas à son mari parce qu'il est relou, elle le fait pour Dieu. C'est ça qui fait de Dieu qu'il est roi. Ça veut dire que la seule chose qu'on puisse faire à Hachem, Dougma, il fait chaud pour travailler. D'accord? À Natania, il fait 80 degrés, je crois, d'humidité en ce moment. C'est vrai? Hein? 80%, ce que je viens de dire. J'ai 80%, j'ai 80%. Ouais, faut le repérer, lui, à l'entrée, il ne faut pas le laisser rentrer. T'as les trucs simples, il les connaît pas, les trucs compliqués, il est balèze. Que Dieu vous bénisse. Comme on dit chez nous, là, il arrive. Allez, pas grave, allez. Je vais me sortir une Debro, Kabouka et tout. Je voudrais. Non, bouge pas. Ça va pas.
Le fait de pouvoir faire quelque chose. Une femme à chaud, elle n'a pas envie de sortir, elle ne voit pas l'intérêt. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, dans une période, la Shrina, elle est en bas. Pour nous, pour notre bien. Ceux qui ne sont pas dans la Torah, qui kiffent. Ceux qui sont dans la Torah, qui sont chauds. Et où sont les résultats? Voilà, j'ai le kisou, j'ai là, mon mari étudie à Torah, et alors? J'ai gagné l'auto? Non. Ça me règle mes factures? Non. La Shrina, elle te dit, reste avec moi en bas. Pour l'instant, j'ai fait un cours lundi qui explique pourquoi ça. Ceux qui l'ont vu, même moi, je me suis embrassé la main à la fin du cours. Le cours s'appelle Jet Nerasra. Le cours de lundi. Vous regarderez le cours de lundi, je ne sais pas comment je l'ai appelé. Il y a tellement de titres, je ne sais pas comment je l'ai appelé. Ça parle de l'argent et du bien-être qui est dans les nations du monde pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de Betamikdash. Comment ça s'appelle le titre? J'en sais absolument rien. Je ne sais pas, mémoire à cela pour l'instant. Alors, c'est un cours qui explique pourquoi ceux qui sont dans le mal vivent dans l'opulence. Et ceux qui sont dans le bien vivent en difficulté. Parce que la Shrina est en difficulté. Quand on est avec son roi, on descend avec lui là où il est. Comme la Shrina aujourd'hui est en bas de l'échelle, comme je vous l'expliquais ici, celui qui rentre dans la Torah, celui qui rentre dans la Teshuvah doit accompagner le roi là où il est. C'est l'histoire du verre d'eau. Et quand viendra la Geoula, celui qui aura tenu le coup, comme dit Rabbeinu Baruch Hashem, aussi le Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu, il dit que la dernière épreuve de la fin des temps, ce sera la Emouna. Et la Emouna sera mise à l'épreuve comme jamais elle a été mise à l'épreuve. Jamais elle a été mise à l'épreuve. Je me raconte, à l'époque du Khafet Israël, il y a pas tellement longtemps, en 1920, à Radin, dans la ville de Radin, ils étaient très généreux là-bas, ce qui paraît. Dans la ville de Radin, ouais, il y a un père qui est sorti avec son fils, et il lui a dit à son fils, ne regarde pas de ce côté-là. Il y a un homme qui a ouvert sa boutique pour faire du vélo Shabbat. En 1920, on disait à un enfant, ne regarde pas ce juif-là, parce qu'il a ouvert sa boutique pour prendre le vélo pendant Shabbat. Je n'y ai dit one. Parce que monsieur, il a voulu prendre un vélo, Mahloket Poskim, est-ce qu'on peut ou pas pendant Shabbat Bichlal? Mahloket Poskim. Le père, il a dit à son fils, ne regarde pas, il a peut-être un doute de rachat, il a pris son vélo peut-être Shabbat. Oh! Dans quelle génération on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu dis à un juif, t'es chômeur Shabbat, il te dit, non, je suis normal. Et toi, tu enlèves le chapeau, tu lui montes les antennes. Bonjour, je suis de la planète Mars. Tu dis avec tes chômeurs Shabbat, il dit non, je suis normal. D'accord. Bon ben nous, on est en normaux. Hein. La normalité de l'étude de la Torah, de se couvrir la tête. Une femme qui a la tête courante, tu as un problème. Tu es rentré dans une secte. Alors qu'à l'époque de la Torah, quand est-ce qu'on humiliait une femme? Quand est-ce que, attention, tu vas le payer cher. Enlève ton kisoui. Yom. Même les réchaïs, comme à l'époque de la femme de Ambet Pellet, quand elle a enlevé son kisouille, même les réchaïs nous disaient, ah, t'as pas de kisouille, on ne veut pas te marier. Pour faire le mal. La normalité s'est renversée, comme ça dit, Va'emet ne'ader et mina olam. Zéperoucha d'abord qu'aujourd'hui, madame, il faut avoir la force de faire les choses. Même si on n'a pas de raison de sortir sa noix, de dire, Hachem, je mets le kisouille pour toi. Moi, j'en vois pas l'intérêt. J'en ai pas besoin. Moi, je me couvre pour toi, Hachem. C'est ce qui fait Dieu de lui un roi. Le plus haut degré de l'accomplissement des mitzvot, c'est qu'une fois qu'on accomplit pourquoi on le faisait, on oublie pourquoi on le faisait. Je répète. Le plus haut degré de l'accomplissement des mitzvot, c'est que quand on a fini de décortiquer tous les poskim, la kabbale, le pourquoi, du parce que, du comment, tu fais hachlachat amochin. Mais tant que tu sais tout, oublie tout. Pourquoi? Pour que ce que tu le fasses uniquement en l'honneur d'Hachem. C'est pour ça que le Baal Shem Tov disait toujours, je préfère prier avec des Amé Haaretz que des Talmidei Chachamim. Il dit, pourquoi? C'est bien Talmidei Chachamim. Il dit, mais les Amé Haaretz, quand ils prient, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Leur prière, elle est tmima, elle est intègre. Et dans notre génération d'ordinateurs, de savoir dont on sait tout, c'est le meilleur moment pour nous de nous annuler parce que Jacques a dit. Parce que Kadosh Baruch Hu nous demande, Behemet Hachem, c'est la seule raison pour laquelle je vais le faire. Pourquoi? Parce que tu le fais ou tu ne le fais pas, il n'y a rien qui change spécialement dans ta vie.
Arrête celui qui est Shomer Shabbat, normalement, il a Makor Aberachot. Les mecs sont Shomer Shabbat, on ne les voit pas spécialement riches. Parce que ça voudrait dire que tous les Avrechim ne sont pas Shomer Shabbat. Ah bah la vraie réponse, c'est parce que la Shekhinah, elle est en bas. Et quand la Shekhinah, elle est en bas, c'est le moment pour nous de nous asseoir et faire Tikkun Khatat. C'est le moment pour nous de nous remettre en question. Et cette période de Ben Hametzarim, c'est Ach Tovahe Sedir Redefuni Kol Mirhayai, et Shafti Bevet Hashem, Le Orech Yamin. Je me suis assis, Rami me dit, Ach Tov Vahesed, Ach, c'est les 21 jours aussi de Ben Hametzarim. Tov Vahesed, c'est une période de remise en question pour réparer ces trois éléments pendant cette période. Un bon cœur, et automatiquement, si j'ai un bon cœur, comme l'a dit Rabbi Elazar ben Arach, Lev Tov. Quand j'ai un bon cœur, Amar le Rabbi Yohanan ben Zakkai, j'ai vu, il me dit vrai, Rabbi Elazar ben Arach, que tout ce que vous avez dit, un bon œil, des bonnes midot, ainsi de suite, c'est compris dans un bon cœur. Quand on a un bon cœur, on a automatiquement toutes les bonnes midot qui vont suivre. Pardon ? On juge bien. On arrête de faire du lashon hara, on arrête de se critiquer. Au contraire, on se juge les kafsrout, t'as pas pu venir, c'est pas grave, je suppose que tu avais des raisons à cela. Mais pas, tu savais, il m'a pas dit bonjour. C'est pas mis là, celui-là, il ne verra pas. Il m'a pas dit bonjour, je suis une chienne, moi, il m'a pas dit bonjour. Alors quand on n'a pas la force pour soi, on le fait pour lui. Parce que Hachem, je finirai avec cette phrase de Rabbi Moshe Ederi Zechar Tzadik Kadosh Evracha, mon Rav, qui est mort en 1987, qui m'a ramené à la Torah, à une époque où j'étais pas du tout dans la Torah. Et un jour, il m'a dit, quand j'étudiais des livres, il m'a dit, qui t'a donné des yeux pour voir ? Je suis facile. Dans ma tête, je crois que c'est un examen. Je lui ai dit, c'est Hachem. Qui t'a donné des oreilles pour écouter ? Je lui ai dit, c'est Hachem. Qui t'a donné une bouche ? Une rascage, il va faire tout le corps là ou quoi ? Et il m'a fait tout le corps. Le Rav, il avait le temps, il m'a dit, qui t'a donné une bouche pour parler ? Je lui ai dit, Hachem. Qui ? Hachem, toi Hachem, Rav, toi Hachem. Voilà, j'ai la main, Hachem. Le nez, Hachem. Et le Rav, il a rigolé comme ça sur son fauteuil, Rabbi Moshe Ederi, il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu as donné ? Je me rappelle de ce jour-là, dans le fauteuil à côté de lui, Rabbi Moshe Ederi m'a regardé, il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu lui as donné ? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, si tu me réponds à moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas lui répondre à lui ? Je lui ai dit, ben, je vais rentrer en Yeshiva. Je vais apprendre sa Torah. Je vais essayer de me donner un fond pour lui. Il m'a dit, et mort ma'ad va s'arrêter, part en yeshiva. Je suis monté en 1987 en yeshiva de Paris, alors que tout allait bien, on lui demande Torah. Zeperu Shadava. Dieu nous a donné un toit et il n'a pas de toit. Dieu nous a donné une famille et lui est resté Shochem Bameromim. Lui, il a tout donné, mais avec Zivugim. Toi, tu rencontres l'autre, tu les vois sous la choupa, quand ils se marient, t'as le mec qui pleure. Parce que si le mariage, si la mort est aveugle, le mariage, on l'a vu, vous connaissez le proverbe. Hein? Il pleure, mais c'est pas pourquoi le pauvre. La cala, elle rentre comme une colombe. Et lui, c'est le pigeon. Ouais. La Shrina les a réunis. Ah, Mazal Tov. Bienvenue au club. Valken, finirai avec ça, chers amis. Je le dis au Khatan et à la Kala, la Shrina, elle descend d'Izor à Kadosh sur le couple. Ne la renvoyez pas, la Shrina. Ne mélangez pas les danses. Saint Issour de Oraita, les femmes et les femmes, les hommes qui dansent ensemble, Saint Issour Khamour, Me'od, Me'od. Me'od. Alors pourquoi ? La réponse est simple. Fais plaisir à Hachem, garde-le. Nous avons été à un mariage magnifique. Ni le père, ni la mère sont shomer mitzvot. Ni la kala, ni le khatam sont shomer mitzvot. Et pour que je reste à ce mariage... Et l'autre côté. Hein ? Des deux côtés. Des deux côtés. Pas religieux du tout. Et le pire, c'est que même la salle n'a pas voulu mettre de mechitza, que d'être mon chef d'Israël. Ils n'ont pas voulu. Nous sommes une salle lucrative, une écologie... On n'a pas l'habitude, mais une chrita, si vous voulez, juste comme ça. Mais là, tu vois, juste un truc. C'est comme les curés, quoi. Mon père, oui, alors j'ai fauté, tu vois le truc. On a pu rester jusqu'à la fin. On a mangé glad kasher, marfoud, ou on a fait la bouse que c'était. Ben, un bœuf avec une kippa, tzitzit, brit mila.
On a pu danser séparé du début à la fin. Lama, j'ai dit à la Kala, fais-le pour Hachem, pas pour toi. Tu es heureuse du mari qui t'a donné? Elle m'a dit, j'attends. Tu étais consciente que c'est Hachem qui t'a mis sur ta route? Je lui ai dit, tu veux faire séparer pour le garder avec toi? J'étais voir le Khatan, je lui ai dit, on fait séparer. Il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a dit la Kala? La Kala, elle a dit ce que toi tu dis. C'est pas vrai. Il m'a dit, et qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, séparer. Je lui ai dit, séparer. Je me suis battu avec les serveurs pour que ce soit séparé que d'Akon Chevi Israël. Une bagarre. J'ai pris les choses en main et j'ai tout pris pour que ça se fasse que d'Akon Chevi Israël. Ça a été le mariage familial le plus merveilleux, m'ont dit les gens. Tout le monde a kiffé. Et les danses, et les machins. Bon, il n'y a pas eu de slow parce que Barbu avec Barbu, c'était pas top. Alors, juste pour vous dire, la Gdoucha, ce couple aujourd'hui, il est heureux. Et les gens me le disent après, quand ils ont des enfants et qu'ils se marient, Chaval qu'on n'a pas fait séparer. Chaval, les gens regrettent, je vous promets. Nahon, tu as vu une femme, un couple qui était chez nous pendant le Shabbat, et la Kala, elle a dit, c'est moi qui le mérite de les marier, elle a dit à ma femme, je regrette de ne pas avoir fait séparer Chaval. Dieu m'a donné, je suis enceinte, il m'a donné un super mari, il m'a donné une belle vie. Comment j'ai pu le jeter à la porte? Le rêve, il faut aller à notre table. Des larmes, qu'est-ce que je regrette? Rien à Adam, il doit arrêter de penser de façon égoïste pendant cette période. Penser à la Ouma israélite, revenir sur sa terre, reconstruire une nation, apprendre à se respecter, avoir un cœur de chair, savoir se respecter dans le couple, et rentrer dans une bête à Knesset pour prier et pas pour parler. Car si tu viens ici pour parler, alors où iras-tu prier? C'est le slogan? Oui. Si je vais à la synagogue pour parler, où irais-je pour prier? Eh bien ici. C'est Bebouchada. Voilà madame pour répondre à votre question. Juste qu'on fasse tous les Shem Shamaim. Aujourd'hui, le seul raisonnement qu'on puisse avoir, et je veux dire quelque chose de très dur, on est un petit peu comme cette femme que j'ai vue à Netivot. Il faut que je me la ramène parce que cette histoire m'a beaucoup touché. Une fois, je marchais à Netivot, j'ai vécu 3 ans, la ville de Baba Salé. À une époque, c'était une petite bourgade. Et j'ai vu une femme très âgée sur un banc en train de pleurer, mais pleurer à te faire pleurer, quoi. Je veux dire, mais vraiment à pleurer, quoi. Elle avait un livre de Tehilim, elle était toute courbée, et elle versait des torrents de larmes par terre. Elle m'a mis une remède comme ça, je passais sur le trottoir, je lui dis, bon, je vais l'aider, la pauvre, attends. Il y avait rien, t'as comme ça, hein. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, « Ami, quel bécède ?» Et elle pleure. Je dis, « Oh, bien sûr. »« Qu'est-ce que le bécède ?»« Et ma bécède ?»« La shrina en bait !»« Pas quel bécède ?» Dieu, il n'a pas de maison. C'était pendant Ben Hametzarim, un étudiant. « Moi, je suis bécède, un igarapo. » Elle m'a dit, « Mais la shrina, elle n'a pas. » Elle faisait des teilim pour la shrina. « Zak doucha shalam Israël. » Aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire le shalom à la maison, si on n'arrive pas à se taire dans une synagogue, si on estime que pour nous, ce n'est pas d'une grande valeur d'être pudique, si on n'arrive pas à se taire pour les uns et les autres, alors qu'on pense juste à une chose. Chers amis, vous qui êtes parents, est-ce que vous aimeriez que vos enfants se battent à coups de poing devant vous? Comment vous réagiriez? Kachomeret Ashrina, si vous vous battez entre vous, si vous vous insultez entre vous, Aye kevodi, dit Hachem, où est mon kavod? Za metzari. Un Metzarim, Shakado, demande au peuple d'Israël de soigner ces 3 éléments dont je vous ai parlé. Répare ton cœur, répare ton couple et répare ta synagogue. Qu'elle soit pleine, qu'elle soit pudique. Et surtout vous, mesdames, les Géoula ont lieu grâce à vous. Note Israël Kedoshot. Les hommes, je finis juste avec ça, je te promets à dire, on se casse parce qu'il est super tard. Mais les hommes, nous les hommes, vous les femmes, mais nous les hommes. On a un Yetzerara que vous ne pouvez pas comprendre. Quand on voit une femme qui est Meshemnar, dans notre cœur, ça fait... Je vous le dis. Au Kikar City, je sors de la bête à Knesset pour acheter des croissants à ma femme tous les matins. Ça fait 8 ans que je lui donne l'exemple, elle n'a pas compris encore. Tous les matins, je lui ai acheté des croissants. Tous les matins. Et donc, je fais le tour du Kikar. Et là-bas, il y avait une personne âgée, un khayal, et un jeune garçon, peut-être de 10-12 ans, je ne sais pas, assis sur le banc de la Tachana,
du bus, une station de bus. À ce moment-là, il y a une sylphidre qui sort, je ne sais pas d'où, une bombe atomique. Quand je vous dis une bombe atomique, même moi, je n'étais pas bien. Je ne sais pas d'où elle est sortie, elle est descendue les escaliers et elle a marché juste devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai les gaot. J'ai arrêté et je vous dis, comme dit Rabbi Nachman, dans ce cas-là, tu regardes vite le ciel, parce que le ciel amène de la grâce Shamaïm, quand c'est dur. Et c'est, mais à un moment, j'éclate de rire. Pourquoi j'éclate de rire? Le vieux, le khayal et le petit jeune, ils sont comme ça. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on aime les hommes? Du plus vieux au plus jeune, bon, le khayal qui regarde, il a 20 ans, je comprends. C'est attirant une femme pour un homme. Aval tavinu kama sheze kashe lanu. On n'a pas le droit de convoiter avec nos yeux une femme. La reine, mesdames, sauvez-nous, nous. Soyez pudiques. Quand vous vous dites j'ai chaud, je vous le dis, mieux vaut avoir chaud ici qu'après. Hein. Ah ben, surtout, ayez pitié, béhémet. Je le dis dans tous mes cours aujourd'hui. On va dans l'été. On rentre dans l'été. Ayez pitié des yeux des hommes. Un homme a un nefesh à béhémi qu'il est très dur pour lui de surveiller. C'est très dur. C'est au fin pitomi de la reine, la beauté des femmes d'Israël, Matuvo alecha Yaakov mishkenotecha Israël, elle est mekudeshet le Baala, la beauté d'une femme est pour son mari, elle n'est pas pour nous. La reine terahamo alam Israël, surtout dans cette période de grande chaleur, sans faire de jeu de mots, Samoulev Bezrat Hashem, que le Créateur du monde nous demande d'être en deuil pendant que tout le monde va à Jean Lépin, Deauville, Natania, Elat, se dénuder. Hashem, il dit non, moi je suis en deuil, tu viens me consoler? Tu viens t'occuper un peu de moi, tu viens me donner tes yeux. La Gemara dans Maseret Avodah Zara nous dit, celui qui est appelé l'ami d'Hachem, c'est celui qui protège ses yeux. Azirat Tzom Shemiske pour le mois de Tammuz et le mois de Av. Av qui annonce les initiales Aleph Bet, Elul Ba. Le mois de Elul, le mois des Slichot arrive, c'est le mois d'août en général. Kamash Itzchim Lishmor Alatzmenu. Car comme on aura jugé, on sera jugé. Velachem, qu'on soigne ces trois éléments. Non pas en philosophie, en disant « Ouais, c'était pas mal comme cours, je n'ai rien à faire, je ne suis pas un acteur, je ne suis pas là pour vous plaire. Je n'ai besoin ni d'applaudissements, ni de votre regard et encore moins de votre sourire. » Et qu'on prenne juste sur nous, mettre une avodat Hashem, où on travaille pour lui, que pour une fois dans notre vie, pour une fois dans notre vie, ce soit nous qui aurions le mérite de consoler Hashem, qui descend à notre niveau, aujourd'hui, Tarte Adama, pour qu'on puisse lui donner un verbe. Et lui dire « Même si on ne te reconnaît pas en tant que roi, parce que chacun fait ce qu'il veut dans cette génération de fous. Malgré toi, Hachem, nous, on sait que tu es le roi d'Avon. Echye bezrat Hachem, akadosh baruch hu betochenu uvarenu, bevetenu, bemigdashenu, lechaim tovim, ulshalom amen. Rabbi Hananya ben Hakashia Omer, atza akadosh baruch hu lezakot.